Action. Action. Et merci, merci Valandi à émission à biso le temps de l'éclaircissement. Awa, tous allés na plateau ensemble avec docteur Van Flobel. Nakati à émission le temps de l'éclaircissement. Ici, nous sommes ensemble avec le docteur Van Flobel dans l'émission le temps de l'éclaircissement. La présentation est Zalinga Yobino, prophète Kiala Kimbembe Meda. Ah, la présentation, c'est le vôtre, le prophète Kiala Meda Kimbembe. Et que la paix du Seigneur est à Namoko Namoko. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Tous ceux qui tendent à d'abord le matin par la grâce de Dieu. Nous avons eu le temps de vous parler d'abord sur le matin par la grâce de Dieu. Et ce qui est de la part du Seigneur. Ce que nous avons dit, c'était de la part du Seigneur. Nous allons tenir toujours ferme. Nous allons toujours tenir ferme. Toujours ferme pour annoncer la parole. Nous allons toujours rester ferme pour annoncer cette parole. Et parce que c'est le Seigneur qui nous a donné cet enseignement. Amen. Yango tozui Malachi chapitre 4e. Ainsi nous prenons Malachi chapitre 4e. Tout ça la lecture à partir du verset 1er tiré au verset 6e. Nous donnons la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 6e. Nous autant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les autants et tous les méchants seront comme du jour. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Amen. Auquel j'ai prescrit à Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et tout ça déjà dans verset 2e. Nous sommes déjà arrivés au verset 2e de Malachi 4. Et dans verset 1er, tout à l'heure, ça dit que le jour d'abord, c'est tout un homme. Au verset 1er, nous vous avons montré que le jour qu'il est question ici, c'est tout un homme. Dans le Bélaki, dans le Seigneur, Azali, l'agneau et la colère de l'agneau. Nous avons expliqué que le Seigneur, il est l'agneau, il est aussi la portion de la colère de l'agneau. Il est le jour de l'Éternel. Dans sa portion de la colère de l'agneau, il représente le jour de l'Éternel. Parce que akoya comme un feu. Parce qu'il viendra comme un feu. Et tout à l'Isaïe 66, verset 15e et 16e. Et nous avons montré à Isaïe 66, verset 15e à 16e. Et oui, Isaïe, tout à l'Isaïe, que le Seigneur. Azali qu'on convertit sa colère par un feu. Où l'écriture nous montre que le Seigneur convertit sa colère par un feu. Par un brasier. Par un brasier de feu. Et tout à l'heure, c'est que les Cambouis vous sont d'abord dans Armageddon. Et nous avons montré prophétiquement cette écriture va s'accomplir dans la bataille d'Armageddon. Parce que le Seigneur, on a verset 4e, Azoya pour effacer Baramou. Parce que nous constatons qu'au verset 4e, il est dit que le Seigneur viendra pour effacer les rameaux. Dans le verset 1er. Au verset 1er. Il y a Malachi 4e. Le Malachi 4e. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Amen. C'est donc qu'il est écrit qu'il leur laissera ni racine ni rameaux. Et l'écriture dans les saintes écritures dans la Bible s'interprétera toujours par une autre écriture. Dans les écritures, vous devez savoir que l'écriture s'interprète par une autre écriture.
Donc, tant que total ici qu'à Konongola Baramo, quand nous avons montré qu'il viendra enlever les rameaux, nous confirmons qu'il y a un Esaïe 10e. Nous avons confirmé ça par rapport à Esaïe 10e. Parce que le Seigneur parle de plusieurs manières. Car le Seigneur parle de plusieurs manières. Azolevel en a plusieurs témoins. Il parle de plusieurs, par plusieurs témoins. Et dans Esaïe 10, verset 33. Dans Esaïe chapitre 10, le verset 33. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous ont remarqué, voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Mm. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Mm. Donc, au moment où il a brisé les rameaux, voyez, lorsqu'il viendra briser les rameaux. Dans chapitre 11, verset 1er, Barbi, puis un rameau sortira du tronc. Ah, au verset, ah. Au chapitre 11, au premier verset, il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Donc, quand il brise les rameaux, nous comprenons par là que quand il brise les rameaux, le verset 33 à Esaïe 10, au verset 33 du chapitre 10e, donc, dans Barbi, puis c'est la continuité. Et lorsqu'il est dit, puis, et lorsqu'il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, cela veut dire que c'est la suite de ce qui est dit au chapitre 10e, le verset 33e. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Les rameaux veut dire roi ou bien règne. Ah, le rameau en réalité a la signification du roi ou le règne. Dans le verset 33e, Esaïe 10, au verset 33e du chapitre 10e, mais on confirme que l'Éternel a zoyande pour combattre les rois. Les prophètes confirment par là, briser les rameaux, c'est lorsqu'il viendra combattre les rois. C'est ça le verset premier de Malachi 4. Ah, c'est ça le verset premier de Malachi 4. Mais quand il fera ce service, quand il fera ce service, il fera de sorte qu'il n'y ait plus de rameaux. Pour que notre Isaïe rameau mourra. Ah, pour que par la suite qu'il y ait un seul rameau qui doit sortir du tronc d'Isaïe. Le langage du Seigneur te recevons toujours dans sa bouche qui sont les prophètes. Amen. Le langage du Seigneur, nous allons toujours le voir, le comprendre, l'entendre dans la bouche de ses serviteurs qui sont des prophètes. Yango, toujours remarqué dans Zacharie 14. Ainsi, nous remarquons, nous constatons dans Zacharie 14e. Nous avons remarqué quoi? Nous remarquons quoi? L'Écriture déclare ceci. L'Écriture déclare ce qui suit. Dans Zacharie 14. Zacharie 14. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Verset 9e. Au verset 9e. Parce que le verset 1er, Malachi 4, le dit, il ne leur laissera ni rameau. Ah, donc amen. Parmi tous les méchants, les rameaux qui étaient là, le Seigneur efface. Amen. Le Seigneur va effacer tous les rameaux qui étaient là. Mais à Kotombo, la kakalinique rameau n'a tronc à Isaïe. Et après avoir effacé tous ces rameaux-là, il va élever un seul rameau du tronc d'Isaïe. Yango, Tosaki, Zacharie 14. Ainsi, nous avons pris Zacharie 14e. Le verset 9e. Au verset 9e, il est écrit. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel sera roi de toute la terre. Mm. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Mm. Et son nom sera le seul nom. Amen. Voilà. Yéwana tronc à Isaïe. Amen. C'est ça le tronc d'Isaïe dont parle Esaïe 11, verset 1er. Donc, un rameau seulement. Un rameau au Saint-Lieu. Daniel aussi parle selon sa grâce. Ainsi, le prophète Daniel parle aussi dans sa grâce. Au moment Daniel, t'as la joie. Songe même à Daniel 7. Quand Daniel reçoit le songe donc, au chapitre 7e, va présenter les quatre grands animaux comme des rois. Dans le songe de Daniel chapitre 7e, on présente, n'est-ce pas, les quatre animaux comme des royaux. Verset 17. Au verset 17. Comme d'abord les rois. Comme les rois. Daniel 7, verset 17. Daniel chapitre 7, verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces quatre grands animaux sont quatre rois. Mm. Voilà. Qui se lèveront de la terre, voilà. Amen. Ce sont des rois. Ce sont des rois. Au moment où Daniel a expliqué par la grâce de Dieu la statue de Nebuchadnezzar. Quand vous voyez, quand le prophète Daniel donnait l'interprétation de la statue de Nebuchadnezzar, alors il dit la tête d'or
Daniel avait dit que la tête d'or de la statue. C'est toi, Nebuchadnezzar. Ah, il avait interprété que la tête d'or de la statue, c'est toi, le roi Nebuchadnezzar. Après toi viendra un autre homme. Cela veut dire, roi Nebuchadnezzar, c'est tout un royaume. Ah, donc, après toi viendra un autre. Donc cela veut dire, roi, qu'on a dit que toi, Nebuchadnezzar, la tête, qui est tout un royaume. Lorsque David, Daniel disait qu'après toi viendra un autre royaume, cela veut dire que la tête, toi, le roi de Nebuchadnezzar, tu es tout un royaume. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Parce que maintenant, la tête, donc, c'est toi, l'homme Nebuchadnezzar. Parce qu'en amont, il avait commencé à donner l'interprétation que la tête, donc, c'est toi, le roi. Chapitre 12. Après toi viendra un autre royaume. Ah, il disait après toi viendra un autre royaume. Donc cela veut dire roi veut dire royaume. C'est par là que nous comprenons que le roi dans les Écritures veut aussi dire le royaume. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et vous avez remarqué, on a Daniel 7. Et si vous remarquez dans Daniel chapitre 7, on va présenter les quatre animaux. On présente les quatre animaux comme quatre rois. Comme quatre rois. Nazolomane, on a pour la côté de Sakali, les rois, ce sont des rameaux. Amen. Je suis en train de parler ainsi pour vous faire comprendre que dans les Écritures, les rois qu'il est question ici, ce sont aussi les rameaux. Et tout dans Esaïe 10, 33, le Seigneur brisera tous les rameaux. Nous avons lu dans Esaïe 10, 33, les prophètes voient comment est-ce que le Seigneur viendra briser tous les rameaux. À quoi effacer il va effacer tous les rois. Les royaumes des hommes, les royaumes de la terre. Mais Daniel donne les détails dans versets 11 et 12, il y a Daniel 7. Amen. Cependant, nous constatons que Daniel donne des détails, n'est-ce pas, de Daniel chapitre 7 au verset 11, 12 et 13. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne et tandis que je regardais l'animal situé. Donc, or déjà le verset 17, l'animal c'est tout un roi. Au verset 17, l'animal c'est tout un roi. L'animal fit tuer. L'animal fit tuer. Donc cela veut dire le Seigneur efface tout un royaume. Lorsque nous voyons, il est dit que l'animal fut tué. Par là, nous comprenons que le Seigneur efface tout un royaume. C'est ça le dernier royaume que le Seigneur a voyé qu'on trouvait dans la taille Armageddon. C'est ça, dans la ligne prophétique, le dernier royaume que le Seigneur viendra trouver sur la terre dans la bataille d'Armageddon. Il faut que cet animal soit tué. Il faut que cet animal, ce royaume soit tué. Parce qu'il y a mon maison pour incarner les rameaux. Parce qu'en réalité, c'est ce roi-là qui incarne ce royaume qui incarne les rameaux. Et Malachie 4, verset 1er, déjà, quand l'Éternel arrive comme les jours de l'Éternel. Ah, au chapitre, Malachie 4, verset 1er, lorsqu'il est dit quand le Seigneur viendra au jour de l'Éternel, il ne laissera ni rameau. Il ne laissera ni rameau. Ni rameau, ni racine. Il va effacer le royaume. Voilà, cela veut dire qu'il va effacer le royaume. Et racine, c'est l'espérance. Et la racine, en réalité, parle de l'espérance. Sans espérance. Il va le laisser sans espérance. Parce que quand on entre des racines dans un arbre, cela veut dire l'arbre meurt. Amen. Lorsque on note les racines dans un arbre, cela veut dire que l'arbre meurt. Voilà. Donc cela veut dire que Dieu efface le royaume des hommes. Cela signifie que le Seigneur efface le royaume des hommes et il laisse les hommes sans espérance. C'est ça le verset premier Malachie 4. C'est ça la signification, le sens du chapitre, du premier verset du chapitre 4. Maintenant le verset deuxième. Maintenant au verset deuxième de Malachie. Pour vous qui craignez mon nom. Ah, le prophète dit pour vous qui craignez mon nom. S'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Donc, maintenant, d'abord, on a encore davantage cette portion. Je voulais d'abord vous faire comprendre davantage cette portion. Quand on parle de la guérison, lorsqu'on parle de la guérison, il faut savoir que le peuple est malade. Ah, vous devez comprendre qu'on ne peut pas parler de la guérison si le peuple n'est pas malade. Le peuple a la blessure. Ah, c'est que le peuple a la blessure. C'est pourquoi il y a la guérison qui arrive. Voilà pourquoi il y a la promesse de la guérison. Parce qu'on doit donner les détails des choses. C'est très important. Parce qu'en réalité, il est important que nous puissions donner les détails des choses. Donc là où la guérison vient. Là où il y a la guérison. C'est qu'il y a une blessure. C'est qu'il y a une blessure en amont.
déchirure. Ou en d'autres termes, déchirure. Et le se sont malades. Ah, en d'autres langages, malades. Maintenant, malades. Quand on parle, alors qu'on parle dans toutes ces choses, il faut tout ça la précision. Nous devons avoir la précision des saintes écritures. D'abord. Ainsi, nous avons montré d'abord. Quand est-ce que le peuple? Quand est-ce le peuple? Oh, le Seigneur a choisi ça qui? Et le peuple que le Seigneur avait choisi. Que Bagogi Kozala malade. Quand? Quand est-ce le peuple est malade? Quand? Pose une à notre Deutéronome 28. Nous prenons d'abord Deutéronome chapitre 28e. En lisant le verset 15. En lisant le verset 15e de Deutéronome 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ah, amen. Donc le Seigneur avait donné une ordonnance à Moïse. L'Éternel avait donné une ordonnance à Moïse. Ce qui Israël a rejeté la parole. Si Israël rejette la parole. A rejeté les commandements. Si Israël rejette les commandements. Dans la malédiction qu'on commettrait. Voici les malédictions qui viendront au peuple. Et c'est pourquoi t'as vu verset 58. C'est pourquoi nous prenons à présent le verset 58e du même chapitre. Donc, elle est dit dans le verset 63. Et nous allons aller jusqu'au verset 63. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ces livres, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longues durées. Par des maladies graves et opiniâtres. Voilà. Amen. Quand est-ce que Israël a cause à la malade? Quand est-ce qu'Israël peut être malade? S'il rejette les commandements. C'est quand il rejette les commandements. Israël devient malade. Quand Israël rejette les commandements, il devient malade. Et alors, tu continues. Ainsi, nous continuons. Verset 60. Verset 61. Il amènera sur toi toute maladie de l'Égypte. Devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. Amen. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre. Parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays que tu vas entrer en possession. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc quand Israël rejette la parole, nous constatons que quand Israël rejette la parole, le Seigneur doit l'arracher du pays. Le Seigneur donne la promesse qu'il doit l'arracher du pays. C'est pourquoi le ministère de Jérémie doit intervenir. C'est de là que nous comprenons l'intervention du ministère du Jérémie, du prophète Jérémie. Dans le verset 10e, il y a Jérémie chapitre 1. Au verset 10e de Jérémie chapitre 1er. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Voilà. Ministère de Jérémie devrait déraciner l'arbre. Amen. Le ministère du prophète Jérémie avait pour mission de déraciner l'arbre. Aussi de détruire la maison. Autrement dit, de détruire la maison. Et ensuite de reconstruire la maison. Et ensuite de rebâtir ou de bâtir et reconstruire la maison. Et de replanter l'arbre. Ou de replanter l'arbre. C'est ça le ministère. C'est ça la mission du ministère. Et tous les prophètes. Et tous les prophètes. Pierre a témoigné, ils avaient l'esprit de Christ. L'apôtre Pierre a témoigné que tous les prophètes, ils avaient l'esprit de Christ en eux. Dans 1 Pierre 1, verset 10. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. Et
Jean a témoigné. Et Jean le prophète aussi c'est a témoigné. C'est lui qui vient d'en haut. Dans c'est lui qui vient dans d'en Jean haut 3. Dans Jean 3. Dieu lui donne l'Esprit sans mise. Amen. Jean dit que celui qui vient d'en haut, Dieu lui donne un esprit sans mesure. Alors, nous, nous sommes de la terre. Il a dit que nous sommes de la terre. Cela veut dire que les prophètes vont recevoir l'esprit avec mesure. Cela veut dire que les prophètes reçoivent l'esprit sans mesure. Portion, portion, portion. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, portion par portion. Avec mesure. Avec mesure. C'est Jésus qui a l'esprit sans mesure. Seul Jésus a reçu l'esprit sans mesure. Cela veut dire toutes les portions étaient dans quatre Abdias. Par là, nous comprenons que toutes les portions qui étaient dans les prophètes telles que Abdias, Nahum, Jérémie, Daniel, Habakkuk, Moïse, Bangonios, tous Malachi, ces prophètes, Malachi, tout est en Christ. Tous les prophètes réunis en Christ et Jésus. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Alléluia. Amen. À partir du verset 32. Il a témoigné de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Oui. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mes yeux. Amen. C'est verset 34. Verset 34 de Jean 3. Donc Jésus a l'esprit sans mesure. Jésus a reçu l'esprit sans mesure. Parce que c'est lui-même qui est dans Aïko, dispatché l'esprit ou en Akatiaba prophète. Parce qu'en réalité, c'est lui qui est en train de répartir, de répandre l'esprit du temps de la loi dans tous les prophètes. Et c'est lui que Dieu soit loué. Amen. Ah, toujours remarqué quand est-ce le peuple a soko malade. Ici, nous remarquons quand est-ce le peuple devient malade. Malade ou il déchire, hasard déchiré. Ou blessé, ou hasard déchiré. Ou déchiré ou blessé. Nélevé nous soutenons dans verset 64 à Deutéronome 28. En d'autres termes, le verset 64, l'Éternel dispersera parmi tous les peuples. Amen. D'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Voilà. Donc, vous attendez au panzani, cela veut dire que tu es déchiré. Amen. Quand le peuple est dispersé, cela signifie que le peuple est déchiré. Mais nous sommes blessés. En d'autres termes, on peut dire blessé. Et vous avez encore être malade. En d'autres termes, on peut aussi appeler ça le peuple malade. Voilà la Bible. C'est ça les écrits. Quand ils rejettent la voix de l'Éternel. Quand le peuple rejette la voix de l'Éternel. Parce qu'on nous dit ça. Pourquoi dans Malachie 4 on dit que les ailes et les oeufs en a guérison. Tout ceci nous sommes en train de montrer, donner la raison pourquoi dans Malachie chapitre 4 les prophètes voient les ailes venir avec la guérison. C'est parce que le peuple va s'en aller. Ah, c'est parce que les prophètes a constater que le peuple est malade. Voilà pourquoi la guérison. C'est alors qu'il annonce la guérison par les ailes. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et tout à l'heure ici aussi, dans Proverbe 13, verset 17. Et nous avons montré aussi dans Proverbe chapitre 13, verset 17. Ces ailes-là. Les ailes, la signification de ces ailes. Qui apporte la guérison. Les ailes qui apportent la guérison. Proverbe 13, verset 17. Dieu a tout mis par écrit. L'Éternel a tout mis par écrit. Un envoyé méchant tombe dans les malheurs, mais un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Donc les ailes qui apportent la guérison, ici, ces ailes sont appelées messagers. Ah, nous comprenons que les ailes qui apportent la guérison, ici dans Proverbe 13, le verset 17, les ailes deviennent le messager fidèle qui apporte la guérison. Voilà. Donc les messagers fidèles apportent la guérison. Les messagers fidèles apportent la guérison. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, il y a un autre chose que nous sommes un autre témoignage pour faciliter la compréhension à lui. Alors, nous voulons prendre un autre témoignage pour faciliter notre compréhension. Tolobelaki, il y a 2 ans avant que Israël Akotana errance. Nous vous avons dit, souvenez qu'il y a eu 2 ans dans la marche du désert, avant que Israël rentre dans l'errance, dans le désert. Donc, ces deux premières années parlent de deux prophètes.
La première année, Moïse, c'est comme le prophète Moïse. La seconde année, c'est comme le prophète Christ et Jésus. Nous constatons qu'à la première année, Israël a célébré qu'une seule Pâque. La Pâque pour les Juifs. La Pâque pour les Juifs. Mais la deuxième année. Mais à la seconde année, il y a deux Pâques. Il y a deux Pâques. Amen. C'est ce qui prouve que après notre célébration, tant qu'on a un enlèvement, l'année pour nous aussi la terre. Ah, c'est par là que nous comprenons que après notre départ, lorsque nous irons à l'enlèvement, l'année de la grâce ne peut pas prendre fin. L'année va continuer. Parce que maintenant vous prenez nombre 9 où? Parce que comment vous allez placer nombre 9 dans la prophétie? Parce que nombre 9 est d'abord que dans Ezaki dans la deuxième année. Ah, parce que dans nombre 9, ils ont célébré la Pâque, mais à la seconde année. Donc, Ezali, dans la seconde année, Batoba a célébré la première mois. Ah, à la seconde année, ceux qui ont célébré, n'est-ce pas, au premier mois, la première 14e jour. Les autres baratés qu'on célébré. Au premier mois, la première Pâque, au 14e jour, il y a eu des gens qui n'ont pas célébré la Pâque. Total, il y a un parce que j'aime lisons, parce que j'aime lire. Nombre. À partir du verset premier. Nombre chapitre 9e, verset premier. Le verset premier confirme que Makambo Salema la deuxième année. Le verset premier nous confirme, nous affirme que ces événements ont eu lieu bel et bien à la deuxième année. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Les premiers mois de la seconde année. Voilà. C'était la seconde année. C'était la seconde année. Pour moi, la seconde année, là, parle de Jésus-Christ. Ah, vous devez comprendre que cette seconde année parle que de Christ et Jésus. Pourquoi? Pourquoi nous disons? Parce que dans la seconde année, le tabernacle fut manifesté. Ah, parce que dans la seconde année, nous avons vu la manifestation, le dressement du tabernacle. Parce que les enfants d'Israël, tant qu'ils sont de l'Égypte, parce que vous devez savoir que quand Israël sort de l'Égypte, Babini avait des objets de prix. Ils sont sortis de l'Égypte avec des objets, avec des trésors. Chacun avait objet de prix en main. Chacun avait entre ses mains ses objets de prix, les trésors. C'est ce que tous au monde en Exode 12, verset 35. C'est ce que nous voyons dans Exode chapitre 12, de verset 35. Bah, toutes ces choses, je ferai bah, très bien. Toutes ces choses, tu dois savoir ça très bien. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Voilà. Donc les Israélites, maintenant, qui avaient des objets de prix en main. Nous voyons par là que les Israélites, les enfants d'Israël, sont sortis de l'Égypte avec des trésors en main. Tous ces trésors. Le Seigneur a aussi demandé l'Exode 25. Le Seigneur est venu demander ces trésors-là dans Exode chapitre 25. Pour construire le tabernacle. Pour faire quoi? Pour la construction du tabernacle. Donc cela veut dire quand ce peuple, maintenant, qui est Égypte, avec ces trésors en main. Par là, nous comprenons que quand le peuple est sorti de l'Égypte, dans le désert, ils avaient ces trésors de l'Égyptien. Ce trésor parlait du tabernacle sans forme. Ce trésor-là, en réalité, ne parlait que du tabernacle, mais entre leurs mains, le tabernacle était sans forme. Donc, ils avaient le tabernacle informe. Ils avaient, en ce moment-là, le tabernacle informe. Maintenant, est-ce que les ont réunis? Mais non. Maintenant, il fallait que ces objets soient réunis pour être la tabernacle. Un corps appelé le tabernacle. Il y a toujours remarqué l'Exode 40. Ainsi, nous remarquons dans Exode 40, verset 16 et 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur de Christ. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Les premiers jours du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Ah. Toujours la deuxième année, le tabernacle. Ah, c'est à la deuxième année, au premier mois que le tabernacle fut dressé. Les premiers jours du premier mois de la seconde année. Donc l'année commence avec le dressement du tabernacle. Ah, c'est que nous comprenons que
que l'année commence avec le dressement du tabernacle. C'est la seconde année que le tabernacle est dressé. Cette seconde année a deux Pâques. Ah, cette seconde année où le tabernacle a dressé, Israël a célébré deux Pâques. Et cette seconde année, c'est Jésus-Christ. En réalité, cette seconde année n'est autre que Jésus lui-même. Jésus-Christ a dans un tambour. Quand Jésus marchait en Israël dans sa chair, lui-même était l'année. Lui-même dans sa chair, quand il marchait, les enseignants en Israël, il était l'année de la grâce. Mais l'année n'était pas encore ouverte. Parce que Abotama qui sous la loi. Pourquoi? Simplement parce qu'il était né sous la loi. C'est ça, Romains 15, verset 6. C'est ça, Romains chapitre 15, le verset 6. Et Galates 4, verset 4. Galates chapitre 4, le verset 4e. Amen. Comprenez? Comprenez? Pourquoi? Parce qu'il était le soleil levant. Parce que Jésus, il était le soleil levant. Les jours ne changeront-ils pas à lever soleil? Les jours ne changent pas par le lever du soleil. Les jours ne changent pas par le coucher. Par son coucher, c'est au coucher du soleil qu'il y a changement du jour. C'est pourquoi les jours où le Seigneur a Simba qui rouleau pointe. Amen. C'est pourquoi les jours où le Seigneur avait pris le rouleau dans la synagogue pour lire. Il y a deux mouvements, faut faire très attention. Il y a eu deux mouvements quand il a pris le rouleau pour lire. Et c'est pourquoi na sepela kamingi, parce que Dieu aime nous donner la parole. C'est pourquoi j'aime, je suis dans la joie parce que Dieu aime nous donner la pensée de sa parole. Il faut yebaka soko sanan. Vous devez savoir que ce qui est vous. Ah, faut la convaincu de l'okozolo. Tu dois être convaincu sur ce que tu parles. Et c'est pourquoi Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Voilà pourquoi Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 4, que j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Verset 13e à 14e. Quand on croit, et la bouche doit s'ouvrir. La bouche doit s'ouvrir. Parce que David de son côté, a dit l'iniquité ferme la bouche. Amen. Parce que David de son côté, il a bien dit. Que l'iniquité ferme la bouche. Mais quand on croit, cela veut dire que quand on croit, on doit parler. On doit parler. Amen. Dieu bénisse. Amen. Dans Luc 4, sur dans Luc 4, quand vous lisez Luc chapitre 4e, qu'est-ce que vous constatez? Le Seigneur t'a assigné qui le livre. Quand lui remit le rouleau du livre, a déroulé. Il a déroulé. Parce que déroulé, ont dit ça, le ministère qui a zaki Nangoya. Comme étant prophète. L'action de dérouler le livre qu'on lui remit, c'était un geste qui expliquait le ministère qu'il avait comme prophète. Parce qu'il était venu comme prophète. Aucun verset maloba que Jérusalem, Jérusalem qui tue les sacrificateurs. Aucun verset il est dit que Jérusalem qui tue les sacrificateurs. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Ah, il y a que le verset qui dit que Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. C'est ce qu'on a. C'est ce que nous avons. En tout cas, je ne connais pas toute la Bible, mais je connais juste une portion. Parfois, toi aussi, tu connais d'autres choses dans les Écritures, là où il y a un verset qui dit Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les sacrificateurs. Là, en ce moment-là, tu peux me donner le verset. Je vais aussi parler de ça à l'émission. Mais moi, ce que je sais. Mais ce que je sais. Non. Dans Matthieu 23, verset 37, on dit il tue les prophètes. Il dit Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. Voilà. Amen. Et il était comme prophète. Il était comme prophète. On peut citer d'autres ministères dans son marche, dans sa marche, on peut aussi citer d'autres ministères. Tous les cinq dons ministères. Tous les cinq dons ministères étaient en lui. Parce qu'en réalité, c'est il y a un seul ministère. C'est comme Moïse, prophète. C'est comme Moïse, prophète. C'est même en lui, il a fait sortir Genèse. Il a écrit. En lui, il a fait sortir Genèse. Il a écrit. Il a écrit. Il a écrit Exode. Oyebi le soleil zalaki na Genèse na jardin d'Eden par Moïse. Ah, tu dois savoir que tu as connu l'histoire qui était dans le jardin d'Eden, les événements qui a eu en Eden, c'est par Moïse que tu as connu. Cela Noé bien par Moïse. Donc les événements d'histoire de Noé, tu as connu ça par Moïse. Moïse est comme père qui engendre. Ah, Moïse il est en ce moment-là comme père qui a engendré. Ah, donc c'est lui qui fait sortir ça. C'est lui qui a fait sortir ça, les événements de Genèse de Noé pour que tu puisses connaître ça. C'est sorti dans Moïse Genèse. Discours à discours de Ève, la serpent, et avec le serpent, c'est sorti dans Moïse. Yenda komi, c'est lui qui a écrit.
Déluge, c'est Moïse qui a écrit. Le déluge, c'est Moïse qui a écrit le déluge. Amen. Donc, Esaïe, comme il m'a dit, toutes ces choses. Il a écrit ces cinq livres. Il a écrit ces cinq livres qui étaient sortis en lui. Ah. Oh, le grand Moïse a le dit. Dieu vous citera un prophète comme moi. Or, le véritable Moïse, le grand Moïse, Moïse avait dit que Dieu vous citera un prophète comme moi. C'est dans Deutéronome 18, verset 15. Donc, la loi Ezanet, il demande. Israël fait une demande. La loi, en réalité, est comme une demande qu'Israël avait faite. Mais Dieu n'a pas répondu. Mais cette demande-là, l'Éternel n'avait pas répondu. Dans le but que le prophète qui viendra là, il répondra à votre demande que vous avez faite. C'est de là qu'il dira que le prophète qui viendra là, il aura la mission de répondre à votre demande que vous avez faite sur la montagne d'Horeb. Donc, Deutéronome 18 appelle Jésus l'exaucement. Donc, la réponse à la question. C'est par là que nous allons dire. C'est par là que nous comprenons que Deutéronome 18 et 15 présente Jésus comme l'exaucement. C'est-à-dire, il est la réponse à la question qui est posée en Horeb. Voilà. Jésus est la solution de tout. Jésus, en ce moment-là, il devient la solution de tout. Dieu bénisse. Amen. Et il cite à la lecture. Là, hein? Et dans Luc 4, lorsqu'il fait la lecture, l'Esprit du Seigneur est sur moi, verset 18. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, verset 18. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mm. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mm. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Mm. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Mm. Là, si coutable. Là, il a fini de lire. Ensuite, il roula les livres. Nous constatons qu'ensuite, il roula les livres. Le livre qui était déroulé, après avoir lu, il a roulé le livre. Et les remis aux serviteurs. Il a remis aux serviteurs le livre roulé. Et fermé. Et il s'assit. Bible. À s'asseoir. Alléluia. Il s'est assis. Mais attends, moi, fan du rang. Quand il est assis. Faites attention. Alobi. Balobi, l'assistance n'y a aussi tali et à ma fan. Quand il s'est assis, l'écriture déclare que ceux qui assistaient l'assemblée, ils l'ont regardé. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue. Avait les regards fixés sur lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire. C'est alors qu'il commença à leur dire. Aujourd'hui. Dans la position assise. Il a dit aujourd'hui, pas lorsqu'il était debout. Quand il était assis. Cette parole est l'écriture que vous venez d'entendre. Donc lorsque j'étais debout. Cette écriture que vous venez d'entendre, c'est-à-dire lorsque j'étais debout, aujourd'hui, au moment où je m'assois, quand aujourd'hui, quand je m'assois, c'est accompli. C'est accompli. Amen. Et bien sûr, et bien sûr que Christ est ressuscité, il est assis à la droite du Père. L'Épreuve nous aide à comprendre que quand Christ est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Au moment où il est assis là. C'est au moment où il est assis à la droite. Cette critique que vous avez entendue quand il était debout. Et cette critique que vous avez entendue quand il était debout. Quand il s'assoit. Il explique ça. Il explique ça en position assise. Assis. Faites attention. Donc quand il est debout, c'est tout le temps, il y a ministère naïe jusqu'à l'œuvre de la croix. Cela veut dire que lorsqu'il est debout, c'est un temps. Lorsqu'il est assis, c'est un autre temps. Voilà. En position debout, il explique tout le temps qu'il était en train d'exercer son ministère. Son ministère. Dans la chair, les trois hommes d'Israël. T'es à mon debout. C'est ainsi que tu dois prêcher. T'as à confier puis. Quand il est assis. Il est position assise. C'est dans la position assise. Dès l'année à grâce, les autres. Que l'année de la grâce commence. Voilà. Amen. C'est ce que le Seigneur dit. C'est ça le mouvement que le Seigneur voulait expliquer ici. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Et c'est ce que tous les autres s'attendent aux hommes en nombre 9. C'est ce que nous voulons faire comprendre lorsque nous sommes dans Nombre chapitre 9. Et la deuxième année. Que à la deuxième année.
Il y a ba o ba célébrer Pâques pour la première fois. À la deuxième année, wana, il y a eu ceux qui ont célébré la Pâque pour la première fois, la première Pâque. Ba, il y a eu des gens qui ont manqué. Frère, ba o ba, ba célébrer Pâques na seconde année, na première mois, c'est nous. Ah, en ce moment-là, nous comprenons que ceux qui ont célébré la Pâque au premier mois de la seconde année représentent nous, l'Église. Voilà. Amen. C'est l'enseignement que le frère Paul a prêché dans 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. C'est de là où Paul a épuisé son enseignement dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8. Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Aujourd'hui, Israël n'a pas célébré. Israël n'a pas célébré. Dans cette année. Bonne année. Pourquoi? Il a touché à un mort. Ah! Il n'a pas célébré simplement parce qu'il a touché à un mort. La mort, c'est manque à vraie compréhension écritique. Quand tu ne comprends pas bien la Bible, c'est la mort. Ah, toucher la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la, ne pas comprendre la Bible. Ouais. Quand tu ne comprends pas bien l'écriture. Quand tu comprends bien l'écriture. Quand Israël n'a pas bien compris l'écriture, les promesses, les prophéties, cela veut dire qu'Israël a touché un mort. Voilà. Il a touché un mort. Il a manqué la mort. C'est alors qu'Israël a manqué de manger cette Pâque là. Il va bien à Jésus, Belzébuth. Il commence à appeler Jésus, Belzébuth, parce qu'il n'a pas compris l'écriture. L'enfant de Marie. L'enfant de Marie. Nous connaissons que nous avons un seul roi César. Nous connaissons celui que nous avons un seul roi César, celui-ci. Il a touché pas les écritures. C'est ça, Israël touché a mal touché les écritures. Il a touché un mort. Amen. Il a manqué là-bas. C'est ça qui fait de sorte que Israël a manqué de manger. Mais il a déjà classé. Mais nous voyons que le Seigneur a déjà classé les choses. C'est toujours dans la même année. C'est dans cette époque. Dans cette seconde année, dans la même année, il se repentira et il mangera la Pâque. Ah, c'est dans cette seconde année, dans cette même année, que le Seigneur a parlé, n'est-ce pas, d'une autre Pâque. C'est pourquoi toujours on c'est alors que nous disons, ce qui était acquis que si tu avais prêché, tant l'Église a qu'une des parenthèses et cadres. Si tu avais prêché que quand l'Église ira en enlèvement. Ça veut dire que la brèche s'est fermée, parenthèse. On referme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Qu'est-ce que vous allez repentir? Je t'exhorte, va te repentir là où tu es. Et l'enseignement. Tu devais savoir que quand tu mets la tête dure à l'enseignement, il ne peut pas toucher la mort. C'est vrai que toi aussi, tu as touché un mort. Tu n'as pas le droit à la Pâque. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. On se repentir na kimia. On se repentir. Avec l'année à grâce, même après notre enlèvement. Il faut enseigner que même après l'enlèvement, l'année de la grâce va se poursuivre. Parce que les gens n'ont jamais compris parce que la manière où Dieu travaille. Les gens n'ont jamais saisi la façon dont le Seigneur a travaillé. Quand le Seigneur frappe l'Égypte. Comprenez que quand le Seigneur avait frappé l'Égypte. C'est pour faire grâce à Israël. C'était pour faire grâce à Israël. Mais Pharaon est frappé. Mais en ce moment-là, Pharaon est frappé. Est-ce que vous êtes à Pharaon qui est la grâce? Non. Est-ce que tu vas prêcher que Pharaon c'est la grâce? Pharaon qu'on le baisse en vengeance. Parce que Pharaon va dire que l'Éternel m'a vengé. Parce que tu vas comprendre tes jours de vengeance. Parce que les gens ne comprennent pas le jour de la vengeance. Dieu prendra venger. Ils ont vengé parce que son peuple est humilié. C'est ça. Le Seigneur viendra venger. Il y venge parce que son peuple est humilié. Et son peuple a besoin de grâce. Ah, son peuple aura la grâce, la faveur. On lit psaume 136. Quand tu lis psaume 136. Ah. Dans psaume 136, l'écriture nous dit ceci. Dans psaume 136, et nous, l'écriture nous dit ceci. Comprenez qu'on écriture. D'autres choses, vous devez comprendre l'écriture. Verset 10e. Au verset 10e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier né, car sa miséricorde dure toujours. Donc quand il frappe les Égyptiens, amen. Israël et son côté appellent ça miséricorde. Ah, nous comprenons que quand il frappe les Égyptiens, Israël de leur côté, ils appellent ça
miséricorde de l'Éternel. Oui, miséricorde. Miséricorde de l'Éternel. Tant ma tangue est abouna. Quand il y a le deuil du côté dans le camp des Égyptiens, Israël passe à du côté d'Israël, miséricorde de l'Éternel. Donc grâce. Ah, c'est ça. Et il fit sortir d'Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure toujours. À main forte, à bras étendus, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure toujours. Donc, au moins, tant que Pharaon se précipite. Vous voyez que quand Pharaon est précipité avec son armée dans la mer, Israël regarde ce mouvement. Israël, cette quand action, il regarde cette action, il dit miséricorde. Car sa miséricorde dura toujours. Tu nous as fait miséricorde. Tu nous as fait miséricorde. Maintenant, il dit ça, Pharaon, miséricorde de Dieu. Mais non! Pharaon, c'est le roi. Mais on va gêner à la maison Koufa. Maintenant, à ce moment-là, dis à Pharaon, c'est la miséricorde de Dieu. Pharaon va te répondre, quitte-la. Voilà, quitte là on est en train de me venger ici, tu dis la miséricorde de Dieu. C'est exactement comment la Bible est appelée. C'est exactement que Dieu a placé les choses dans la prophétie. Quand on dit les jours de la vengeance. Quand on parle les jours de la vengeance dans la prophétie. Dieu vient faire miséricorde Dieu pour un peuple. Dieu viendra faire miséricorde pour un peuple. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Amen. C'est pourquoi nous disons l'année de grâce continue. C'est alors que nous disons que l'année de la grâce va continuer. Même après l'enlèvement. Ça va continuer. Même au temps où il va venger, ce serait donc, quand il venge Israël, dit miséricorde. Quand il va venger Israël, frapper les nations, ça sera la miséricorde, la grâce pour Israël. Que Dieu bénisse. Amen. Et là, très très important ces choses. Ces choses sont très importantes. Oui, bah, pour corriger les six côtés qui. Ah, c'est très important de corriger là où tu avais mal enseigné. C'est très important. C'est très important. Osa un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. L'enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Là où qui bien te bongisa. Là où tu avais mal enseigné, arrange. Parce que ça n'a tin à ma casse. Parce que cela est très important. Cela a un but. Et voilà pourquoi Tosuna nous langage, pourquoi guérison. Voilà pourquoi nous sommes en train de tarder sur le langage de la guérison, le terme guérison. C'est et pourquoi la guérison a retrouvé les peuples malades. Cela veut dire que lorsqu'on parle de la guérison, cela signifie qu'ils viendront trouver le peuple malade. Le peuple est malade aujourd'hui. Ou bien blessé. Ou autrement dit, le peuple est blessé aujourd'hui. Et quand est-ce que le peuple est blessé? Quand est-ce que le peuple était blessé? Quand il rejette les commandements. Ah, c'est quand il rejette les commandements. Or, le peuple est blessé. Or, les commandements, c'est toute une personne qui est sur la terre. Or, dans la réalité, les commandements qu'il est question, c'est tout un homme qui était venu dans la chair. C'est Jésus. Et cet homme, c'est Jésus. La parole de Jésus est le commandement dont a parlé Moïse. La parole faite chair. Elle est venue chez les siens. Et il est dit qu'il est venu chez les siens. Dans Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Le fait qu'il va rejeter ses commandements. Le fait que les siens ont rejeté les commandements. C'est qu'il faut pas la blesser. C'est qu'en ce moment-là, le fait qu'ils ont rejeté les commandements, c'est qu'en ce moment-là, le peuple devient blessé. Et il faut pas la malade. Le peuple devient malade. Il y a un Osée 4, à Zolo Belangona, verset 15. C'est alors que le prophète Osée, au chapitre 4, il parle de ça. De cette blessure-là. De cette blessure, de la blessure qu'il est question. Osée 5, plutôt. Osée chapitre 5e. Le verset 14 et 15. Verset 14e. Osée 5e, le verset 14e. Et 15e aussi. Verset 14 à 15e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je serai comme un lion pour Éphraïm. Comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai. Au moment où annonçant qu'on a l'air et à Osée. Alors bien mon temps fitira goyaka ko déchirer. Puis j'y manierai. Osée 5. Osée 5, verset 14. 14 et 15. Donc à la terre qu'on déchirer. Qu'on déchirer déjà tout le monde à Deutéronome 28, il est fait quand on rejette les commandements. Il a promis qu'il y va déchirer. Or, déchirer, le déchirer, nous avons mis ça dans Deutéronome chapitre 28, c'est quand le peuple rejette le commandement. Et j'emporterai, nul m'enlèvera ma proie. Alors, je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure.
portion, je revenais dans ma demeure, Jacques, à l'obac, à mon conférence de Jérusalem. La portion, la... Je reviendrai dans ma demeure. La portion de je reviendrai dans ma demeure, l'apôtre Jacques avait parlé de ça dans la conférence de Jérusalem, dans acte 15. Oui. Demandez à partir du verset 13. Acte chapitre 15, nous commençons à partir du verset 13. Nous marchons comme ça, pas à pas, afin que compréhensions ça. Nous sommes en train de marcher de cette manière pour faciliter la compréhension de nos auditoires. Nos spectateurs. Nous prêchons afin que le peuple puisse comprendre. Nous parlons de cette manière-là afin que vous aussi vous ayez la facilité d'examiner les Écritures. Parce que ce qui est là qu'on appelle, c'est ça qu'on fait, l'écriture te jette ça. Parce que si je vous donne quelque chose qui n'est pas conforme à l'écriture, je te dis, il faut jeter ça. Il faut ce qui est là conforme, si la chose n'est pas conforme, il faut rejeter. Mais si c'est conforme, il faut croire, il faut dire amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 13. Verset 13, acte 15. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Oh frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du millier d'elles un peuple qui porta son nom. Amen. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai. » Voilà. Donc, Jacques a dit à mon Osée 5, verset 15. Le verbe « je reviendrai » ici, l'apôtre Jacques a ramassé ça dans Osée chapitre 5, le verset 15. Maintenant, « je reviendrai dans ma demeure ». Maintenant, la portion de « je reviendrai dans ma demeure », ça va s'accomplir comment? Trois jours d'Osée. Ça va s'accomplir en réalité dans les trois jours dont a parlé le prophète Osée. C'est là où, quand tu prends la suite, maintenant au chapitre 6e du livre d'Osée, au début, les prophètes annoncent sur l'enseignement dont les désoins vont prêcher en Israël. Je voulais insister sur une chose. Saisissez-moi très bien. Les désoins sont tous élus. Vous devez bien saisir que les désoins sont tous deux sont élus. Et tous deux aussi sont Moïse. Et tous deux sont au même temps Moïse. Amen. C'est ce que l'Écriture dit. C'est ce que l'Écriture dit. Malobi, ils ont. Amen. Il a dit, ils ont les pouvoirs. Ils ont dans les deux. De fermer les ciels. Les deux ont le pouvoir de fermer donc, les ciels. Deux. Malobi, c'est que l'un d'eux a. Il n'a pas dit que l'un d'eux a le pouvoir de fermer les ciels. Non. Ce n'est pas dit comme ça. C'est pas dit comme ça. Ils ont tous des ans. Tous deux ans. Voilà, tous deux sont tous deux. Tous deux sont elle. Et tous deux sont. Tous deux sont Moïse. Ça la Bible. C'est ça la Bible. Ça la Bible. Amen. C'est ça la Bible. Amen. Quand on voit elle, c'est tout. Tous. Quand on voit elle. C'est tous deux sans M, tous deux sans Moïse. Lis bien, je vais encore le dire. Bah, si on était l'un des A, non. Relis encore ta Bible. Relis bien. Il n'est pas dit que l'un d'eux est en le pouvoir de fermer le ciel. Non. Ils ont tous le pouvoir de fermer le ciel. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Et en gros, attends, on a Osée chapitre 6. C'est ainsi que lorsque vous prenez Osée chapitre 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Osée, on a déchiré, ça dans Osée 5. Ah, vous avez vu? La déchirée qu'il est question dans Osée 6. Il a déchiré, dans le temps passé. Lorsqu'il est dit qu'il a déchiré. Cette déchirure là dont parle le prophète. Oui. Yangonde et Salemi, quand Israël a rejeté le Messie. C'est cette déchirure dont Moïse a parlé dans Deutéronome 28, quand Israël rejette les commandements, c'est-à-dire quand le peuple rejette le Messie qui est le commandement, il devient déchiré.
Voilà, Israël a déchiré. Israël est déchiré aujourd'hui. Autrement dit, en d'autres langages, sur toute la terre. En d'autres langages, c'est. Donc, tant aux hommes, d'abord, sur toute la terre. Quand tu vois toute la terre, Batounion se baouti na kati Adam, na un seul sang. En d'autres langages, quand tu vois toute la terre, tous nous sommes issus d'Adam, dans un seul sang. Et comme la Bible déclare la mort régnée, cela veut dire tous. Tout ça comme poussière. Ah. Comme il est dit, il est écrit que la mort a régné par un seul homme. Cela veut dire que tous nous sommes devenus comme poussière. Après la chute. Mais quand la poussière, Dieu a pris portion ou poussière à Tiangomai. Quand le peuple devient, l'humanité devient comme poussière après la chute d'Adam, l'Éternel prend une portion de la poussière. Donc il arrose. En commençant comme argile. Et il fait que cette poussière-là devienne comme l'argile. A expliqué qu'il y a moi. Il avait expliqué ça où? Parce qu'il faut bien entendre la Bible. Dans le langage de la Bible, Adam est la chevelure de Dieu. Il faut appeler que Adam c'est la chevelure de l'Éternel. Vous êtes dans la Où est-ce que nous prenons ça? Israël a désobéi. Israël a désobéi. Nathan et Jérémie. Au temps du prophète Jérémie. Le Seigneur a dit si Jérémie, coupe ta chevelure. Le Seigneur a dit au prophète Jérémie, Jérémie. Rase-toi. Jérémie 7, verset 29. Jérémie chapitre 7, verset 29. Le coup de Jérémie, ça dit contemporain à Ézéchiel. Oh, comme Jérémie était le contemporain, n'est-ce pas, du frère Ézéchiel, le prophète. Au même moment, ici Ézéchiel aussi, coupe encore ta chevelure. Au même temps, il dira aussi à Ézéchiel, rase-toi, coupe ta chevelure. Jérémie 7. Jérémie chapitre 7. Le verset 29e. Verset 29e. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué. Donc la chevelure de Jérémie veut dire. Ah, la signification de la chevelure dit pour la génération qui. La génération qui provoque la colère de l'Éternel. Or Israël était la répétition d'Adam. Or Israël en son temps, il était la répétition d'Adam. Il y aura un enseignement à côté à Sylvain à Nazaréa. Il y aura un enseignement que nous allons parler ici sur le vœu de Nazaréa. Parce que le vœu de Nazaréa, s'il y a un mort, le confit bébé Nazaréa. Parce que vous devez savoir que dans le vœu de Nazaréa, il était dit. Il doit raser. S'il y a un mort. Le Nazaréen doit raser sa tête. Qui était le propriétaire d'Adam? Qui était le propriétaire de d'Adam? C'est Jésus-Christ. C'était l'Éternel. L'Éternel. Et il mort et couvre le béni. À côté de l'Éternel. Il y a la loi mort. Déclare. Quand Adam est mort. Il doit faire tomber toute sa tête. En ce moment-là, l'Éternel qui était comme Nazaréen, il doit raser sa tête. Et ce que Jérémie explique. C'est tout un enseignement. Jérémie explique que c'est tout un enseignement. Soyez calme, vous en aurez. Tranquillisez-vous, vous aurez ça. Au temps marqué. Au temps marqué, bien entendu. Ézéchiel chapitre 5e. Maintenant, nous prenons Ézéchiel chapitre 5e. L'écriture déclare encore. Nous prenons Ézéchiel 5e. L'écriture déclare encore. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant. Verset premier. Un rasoir de barbier. Prends-les et passe-les sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance apaisée et partage les cheveux. Donc quand Ézéchiel a l'envoi de chevelure, Jérémie perd l'envoi de chevelure. Ah, nous voyons que les deux prophètes qui étaient de même temps, de même période, ils étaient tous contemporains. En ce moment-là, après que Jérémie a rasé la tête, le Seigneur dira aussi, également à Ézéchiel, de raser sa tête. Mais ensuite, chevelure, tiens-moi le collant à balance. Ah, Ézéchiel a pris la chevelure, Dieu lui a dit de mettre ça sur la balance. C'est ça, psaume 62, verset 10e. C'est ça, psaume 62, verset 10e. T'as mon nom bien aimé. Psaume 62, verset 10e. Il est écrit, oui, vanité, les fils de l'homme. Ouais. Mensonge, les fils de l'homme. Ah. Dans une balance, il monterait
tous ensemble. C'est ça le mouvement qu'Ézéchiel a fait. Puis léger comme un souffle. C'est ça le mouvement qu'Ézéchiel a fait. Quand on prend Adam, quand on prend tout ce qui était sorti dans Adam, la balance. On met ça dans la balance. Très léger. L'humanité devient léger. C'est là où je me pose la question, pourquoi tu dois être fier? Pourquoi tu dois frapper la poitrine? Tout est grâce. Tout est grâce sous le soleil. Si tu vis, c'est grâce. Si tu vis, si tu respires, c'est grâce à Dieu. Il faut comprendre. Amen. C'est grâce à Dieu. Si tu marches, tu effectues des mouvements, c'est grâce au Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe à Ézéchiel maintenant? Qu'est-ce qui se passe-t-il en ce moment-là, lorsqu'il dira à Ézéchiel? Verset 3e, verset 3e du même chapitre. Tu en prendras une petite quantité. Ah. Que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Nous constatons que l'Éternel instruit au prophète Ézéchiel de prendre une petite quantité de les serrer au bord de ses vêtements. Donc, je vais dire, nous à Boaki. Donc, nous avons deux portions. Il y a la portion où la chevelure des prophètes a dispersé. Mais l'autre portion, il a serré. Il a serré au bord de ses vêtements. Pourquoi tient la parole? Pourquoi il a mis au bord de son vêtement? Moïse a donné la réponse. Moïse a donné la réponse dans Nombre chapitre 15. Alléluia. Appelez-y dans Nombre 15. Dans Nombre 15. Dans verset, comment, dans verset 37e. Commençons à partir du verset 37e. Tiens, verset 40. Jusqu'au verset 40. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange bleue au bord de leurs vêtements. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Donc, sous qu'un vêtement, nous sommes israélites. Et ça a une frange bleue. Amen. Au bord des vêtements des enfants d'Israël, il y avait, n'est-ce pas, une frange bleue, de couleur bleue, un cordon de couleur bleue. C'était le signe du ciel sur la terre. En réalité, ce cordon bleu, c'était le signe du ciel sur la terre. Parce que c'est la dernière partie de l'habit. Parce que lorsqu'on parle du bord, le bord, c'est là où il y a la limite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la dernière partie de l'habit. Là où l'habit se limite, s'arrête. C'est là où le plus petit, c'est Christ. Et en ce moment-là, nous voyons le bord comme le plus petit, le serviteur Christ. Oui, c'est lui. Ah, c'est lui le dernier. C'est lui le dernier. Que Dieu bénisse. Amen. Et d'abord, avec toi, on le verset qu'Ézéchiel met la chevelure pour se chevelir. Au bord des vêtements, là. Au bord des vêtements, lorsqu'on avait dit à Ézéchiel de mettre, n'est-ce pas, la portion de chevelure. Donc, cela veut dire chevelure ou sous ma bandit. Cela veut dire que nous voyons, il y a une chevelure qu'on a fait disperser, on a répondu de toutes parts. Un attendant, c'était les habitants de Jérusalem, les Zambé à disperser, qui m'ont tant attaqué. En ce temps-là, le geste de disperser la portion de chevelure, cela expliquait, n'est-ce pas, le peuple qui était allé en déportation en Babylone. Mais cela est tout simplement répétition et à l'olenge. Tous ceux qui sont sortis d'Adam sont dans l'esclavagisme du péché. Or, cette déportation n'était autre que la répétition pour expliquer que tous ceux qui sont sortis d'Adam, par la chute d'Adam, nous étions rentrés en déportation dans l'esclavagisme du péché. Et Dieu nous confirme que Adam a quitté la terre. Le Seigneur nous confirme qu'il avait fait que la terre, n'est-ce pas, puisse rentrer dans la mort. Mais il y a toujours une portion à Bombakan à bord avec tout le temps où le peuple était dans la mort, où la mort a régné. Mais attention, il y a une portion de la chevelure qu'on avait mis au bord du vêtement. Et c'est ça, psaume 147. Ah, c'est ça, psaume 147. Verset 19 et 20. Verset 19 et 20. Dieu révèle sa parole à Israël. Il est écrit que Dieu réserve sa parole, révèle sa parole à Israël. Et ses ordonnances à Jacob. Et ses ordonnances à Jacob. Il n'a pas agi de même pour le reste des nations. Il n'a pas agi de même pour le reste des nations. Ils ne connaissent pas. Les nations ne connaissent pas ses lois. Ses lois. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Donc, voyons que sur toute la portion de la terre, il y a une portion, n'est-ce pas,
qui devait recevoir la parole comme l'eau. Voilà. Yango, cette portion-là était appelée la maison de Dieu. Ah, c'est voilà. Cette portion-là, ce peuple-là qui avait reçu la parole, devait être appelé la maison de Dieu. Oui, Israël. Israël. Parce que la parole était ici. Parce que la parole était ici. Mais quand la parole n'est pas dans Bango. Quand la parole quitte en Israël par la désobéissance. Et cela veut dire maintenant cette maison doit c'est donc c'est brisé. Ah, quand la parole quitte en Israël, Israël devait devenir comme poussière, la maison devait se briser. Et c'est pourquoi le Seigneur le dit que vous resterez déserte. Le Seigneur leur dira que votre maison sera restée déserte. Ah, quand il a dit ça, il était dans le temple. Lorsqu'il avait dit ça, attention, il était dans le temple. Lui là, c'est qui? C'est de l'eau. Ah, lui là, qu'il est question, c'est l'eau qui est dans le temple. Il a annoncé le temple qui est gothique dans le désert. Mais il n'a pas annoncé que le temple. Il a annoncé. Il a annoncé que le temple va rester désert, la maison et va rester ensuite, désert. Ensuite, il est sorti du temple. Quand il annonce, il fait le mouvement de sortir du temple. Il s'éloigne. Qui sort du temple? Qui sort du temple? C'est de l'eau. C'est de l'eau. À quelle est la montagne? De l'eau sort du temple pour aller sur la montagne. C'est que le temple-là est égalé sans eau. Et ce temple-là reste sans eau. Maintenant, les disciples m'ont fait remarquer la construction. Mais non, à ce moment-là, les disciples ont fait remarquer la construction du temple. Mais c'est lui, tu vois, c'est il de ne là. Restera pas pied. Il répondit aux disciples, regardez ce temple qui ne restera pied sur pied. D'abord, il y a un temple physique comme ça. D'abord, c'était le temple physique qui était construit. Oui, c'est là qui est quoi. Il montrait le temple physique qui devait tomber. Mais ça pour le aussi dans Israël. Mais c'était cela cachait aussi un mouvement prophétique qui parlait d'Israël. Qui était à ce temps-là la maison de Dieu. Qui était en ce temps-là comme temple, la maison de Dieu. Il fallait pas ça. Il fallait que ce temple puisse être détruit. C'est ça, Osée 5. C'est ça la réponse de Osée 5. Il va laisser sa maison vide. Il y va laisser sa maison vide. Et c'est ce qu'il déclare. C'est ce qu'il déclare. Dans Osée chapitre 5. Dans Osée chapitre 5. Il dit ceci. Il dira ceci. Ton Dieu écriture. Nous lisons Osée chapitre 5 par la grâce du Seigneur. Verset 15. Osée chapitre 5, le verset 15. Je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure. Amen. Je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure. Donc, maintenant, Jacques Totanga qui est à l'initiative que je reviendrai dans le coquille. Nous avons lu acte 15. L'apôtre Jacques avait dit que je reviendrai, la portion de je reviendrai dans ma demeure ne s'est pas encore accomplie. Mais abandonner sa demeure, il y a mon désolé, je m'en irai. Ah, abandonner la demeure, c'est ça qui explique je m'en irai. Et cette demeure est panzane. Et lorsqu'il est dit je m'en irai, quand il quitte la demeure qui est la maison, c'est pourquoi détruite. Jésus-Christ a annoncé le rétablissement de toutes choses. C'est ainsi que l'Éternel vient dans la prophétie pour annoncer le rétablissement de toutes choses. Amen. Suivez-moi très bien. Pour que toutes choses soient dans la corruption, il y en a un seul qui était tombé, c'est Adam. Suivez-moi attentivement. Un seul. Pour que toutes choses rentrent dans la corruption, il était question que par un seul homme, que toute chose est rentrée dans la corruption. C'est Romain 8. C'est Romain 8. Un seul. Par un seul. Ça doit tomber. Toute chose est rentrée dans la corruption. Par un seul. Toute la création est rentrée dans la corruption. Cela veut dire que ce qui va guérir encore une. Cela veut dire que si on guérit une personne. Pouvez vous allez bien rétablir. Toute la création qui est dans la corruption sera rétablie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et Dieu a répété Adam en Israël. Et vous devez Israël savoir que comme Adam répété. Le Seigneur a répété Adam le premier comme Israël. Comme Israël. Amen. C'est Israël quand vous allez restaurer. Quand Israël sera restauré, rétabli. Et c'est le rétablissement de toutes choses. Ah, c'est par le rétablissement d'Israël que nous dirons en ce moment-là qu'il y a le renouvellement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Oui, moi c'est ça d'abord la première étape pour ton c'est ça la première étape que nous avons montré dans notre parler
Pour montrer que la guérison dont parle le prophète Malachi au chapitre 4 viendra dans Osée chapitre 6. Je vais lire, donner la lecture de Osée. Ici on parle de trois jours d'Osée. Osée chapitre 6, on parle de trois jours. Je faut lire aussi les autres prédicateurs, c'est très bon. Je demande à tout le monde, il est important de lire aussi les autres prédicateurs. Pour que tu puisses connaître le niveau, regarder, mesurer le niveau de la science que tu as. C'est très important. Tu peux lire les Branhamis, les Jovistes. Tu peux lire aussi les gens des Mormons. C'est pour voir aussi si l'enseignement qu'on te prêche, si cet enseignement a la supériorité sur tous les enseignements. Parce que tu es toi emprisonné, mais tu n'as pas la vérité. C'est vrai que tout ça la vérité. Nous ne te prêchons pas pour t'emprisonner de dire qu'il n'y a que nous, il n'y a que nous qui sommes dans la vérité. Non. Toi-même essaie d'examiner et donne ta conclusion. Toi-même. Parce que somos une Osée 6. Quand tu prends par exemple Osée 6, aucun branamisme. Tu vas dans les branamismes. Ils ont enseigné ça comme les témoins de Jéhovah. Un jour comme 1000 ans. C'est là où ils ont dit un jour comme 1000 ans. Trois jours, il y a Osée 6 veut dire 3000 ans. C'est là où ils ont enseigné que trois jours et Osée 6 signifie 3000 ans. Maintenant, ils ont commencé à faire l'étude. Malobi Osazaki contemporain à Esaïe. Ils ont dit que Osée, il était le prophète, le contemporain du prophète Esaïe. Donc, Bazaki est dans le 8e siècle avant Jésus. À cette époque-là, lorsqu'il prophétisait, ils étaient comme au 8e siècle avant la venue de Jésus. Donc, va estimer Malobi que pendant Osée, Tiller Jésus allait. Ils ont maintenant estimé partant d'Osée, quand il parlait de ces choses, de 2000 ans, de 2 jours. Jusqu'à la venue de Jésus. C'est qu'un jour il est. Donc ça veut dire qu'un jour s'est écoulé. Donc 1000 ans. 1000 ans. Mais ne dit qu'il y a 2 jours. Mais non, cela veut dire qu'il reste 2 jours. Donc 2000 ans. 2 jours veut dire 2000 ans. Partant de la croix. Ah, partant de la croix. Il y a un monde de moni. L'été à ma belle vision, voyez à ma belle. Ah, voilà pourquoi lorsque tu enseignes mal le faux enseignement, la vision aussi viendra, la fausse vision. L'esprit de l'éveil. C'est là où ils ont commencé maintenant à voir les révélations. Il faut que ça soit dans 1900, vers 2000 ans, l'an 2000. C'est 2 jours d'Osée. Ils ont mal prêché. C'est là où il y a eu maintenant des confessions, 2000 ans. Or ici, c'est... Ils ont mal prêché. Or ici, il faut que ça va bien. Je ne sais pas comment les gens lisent. On parle de la guérison et la plaie. En lisant bien, il est question de la guérison de la plaie. Mais tout le temps, ça plaît. C'est là où nous avons d'abord fait montrer la plaie. Plaie, il y a caca, on rejette les commandements. Nous avons montré d'après les Écritures. Quand est-ce que vient la plaie? Oui. La plaie vient après que le peuple a rejeté les commandements. La maladie, il y a caca, on rejette les commandements. La maladie, selon les Écritures, vient quand on rejette les commandements. Et qui a rejeté les commandements? Oh, qui a rejeté les commandements? C'est Israël. C'est Israël qui a rejeté le commandement. Donc c'est Israël qui est blessé. Ah, c'est Israël qui est malade, qui est blessé. Voilà. Amen. Et il y a un Malachi 4, il dit que la guérison sera sur ses ailes. Voilà pourquoi Malachi 4 donne la promesse que la guérison viendra sous ses ailes. Et ça, la guérison pour ayant trouvé peuple malade. Ah, on parle de la guérison parce que le peuple est malade. C'est ça. Et maintenant, on va expliquer comment guérison nous sera. Et c'est là où on explique maintenant comment la guérison viendra. Comment cela va se réaliser dans Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Mais il nous guérira. Amen. Or, guérison, ça a des ailes. Il a frappé, mais il bandera nos plaies.
Voilà. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Amen. 2 jours où ils allaient besoin. Amen. Les 2 jours qu'il est question où il est dit il nous rendra la vie, attention, ces 2 jours ne sont autres que les 2 jours qui viendront prêcher Israël. Parce que les jours, le Seigneur, parce que Alatisaka Kombo Anaya jour la lumière. Dans la Bible, le Seigneur a donné le nom au jour. C'est la lumière. Dieu appela la lumière jour. Voilà. Donc la lumière est appelée jour. Donc la lumière est appelée jour. Or, ce qu'il y en a 1 Corinthiens 13, verset 2e. Or, si tu lis 1 Corinthiens 13, verset 2e. Et le béni. Il est écrit. Qu'est-ce qu'il est dit? Un Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères, voilà, et donc, de toute la connaissance, oui, oui, va expliquer la prophétie. Ici, on explique en donnant la définition de la prophétie. C'est la science. La prophétie, c'est la science de tous les mystères. Tous les mystères. Donc la prophétie, c'est la lumière. En ce moment-là, la prophétie devient la lumière. Donc mystère, c'est ça, quelque chose qui est caché. Le mystère, c'est ce qui est caché. Mais c'est la prophétie qui ouvre. C'est la prophétie qui ouvre le mystère. Le mystère. Amen. Que Dieu bénisse. Et Dieu appela la lumière jour. Le Seigneur appela la lumière jour. Voilà pourquoi Israël. Pour que le peuple quitte l'Égypte pour venir dans les lieux. Le Seigneur avait dit que le peuple doit aller faire 3 journées de marche. C'est Exode 5. Exode chapitre 5. Verset 3. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Voilà, c'est ça. 3 journées, cela veut dire lumière. 3 journées, cela veut dire 3 lampes. Amen. Lumière. Amen. Cette parole-là, Isaïe, signe qui parlait de Moïse, Aaron et Marie. Cette parole de 3 journées, c'était le signe qui parlait de Moïse, d'Aaron et de Marie. Dieu a envoyé 3 personnes. Le Seigneur a envoyé 3 personnages. Dans Michée 6, verset 4. C'est le prophète Michée qui en parle dans Michée chapitre 6. Michée chapitre 6, c'est le verset 4. 6, verset 4e. Docteur Tanda. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de la servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, voilà, Aaron et Marie. Voilà. Pourquoi Isabon? Pourquoi le prophète présente qu'il a envoyé Moïse, Aaron et Marie? C'est ça, 3 journées. En réalité, c'est ça les 3 journées de marche. Parce qu'ils avaient tous l'esprit de la prophétie. Parce que tous, ils avaient l'esprit de la prophétie. Et dans Exode 15, vous avez la prophétesse à Marie. N'oubliez pas que dans Exode chapitre 15, Marie est reconnue comme prophétesse. Elle avait la prophétie. Ah ouais, c'est ça. Mmh. Il faut comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Marie a dit signe à Christ. Marie, en réalité, elle était plutôt le signe de Christ et Jésus. Et Moïse, Aaron, a dit signe à les désoins. Moïse et Aaron représentent les désoins qui viendront en Israël. Pourquoi cela intéresse? Pourquoi le Seigneur a réparti, il a classé cela ici? Parce qu'après la mort de désoins, cela veut dire qu'après la mort de désoins, Israël a recours à la fausse adoration. Israël rentrera dans la fausse adoration. Nous prenons ça dans Osée chapitre 6. Parce qu'après des jours,
Le troisième jour est qu'on relève Israël. Après deux jours qui apportent la vie, nous voyons le troisième jour qui vient avec le relèvement. Cela veut dire après deux jours. Cela veut dire qu'après deux jours, Israël tombera. Israël encore. Tombera encore. Israël va sombrer. C'est ça l'abomination dont a parlé le prophète Daniel et nous a établi en lieu saint. C'est ça la prophétie qui parle sur l'abomination dont a parlé le prophète Daniel et qui sera établi dans le lieu très saint. C'est là aussi nous voyons qu'il y a l'esprit de l'erreur et les faux enseignements sont rentrés. L'abomination établie dans le lieu saint ne veut pas dire que il y aura un temple qu'ils vont construire physiquement. Oh, chez ça déjà là. Narome kokene Israël. Tel que il y a des informations qui disent que ils ont déjà retrouvé l'arche, ils ont déjà retrouvé les chandeliers. Cela signifie que Israël est en train de se préparer pour reconstruire le troisième temple avant Oloba, avant de parler. Mais information est en écriture, c'est parler. Tu dois savoir que les informations, c'est dans les Écritures, c'est Dieu a tout mis par écrit. Amen. Quand Israël retourne, quand Israël retourne, qu'est-ce qui va se passer? Jérémie 3. Jérémie 3. Verset 16e. Jérémie chapitre 3, le verset 16e. Na 17e. Jérémie chapitre 3. Verset 16 à 17. Le verset 16e et le verset 17. Ah. Lui, docteur. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié, excusez-moi, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc il y a une promesse. Il y a une promesse. Quand Israël, il y a un moment où il y a un retour à Israël, il y a tout le monde qui est à terre. Frère, il y a quelqu'un qui va vivre. Tant qu'il y a quelqu'un qui va vivre. Mais c'est le souci. J'avais posé la question. Il y a des gens qui prêchent. Frère, Romani, frère Israël dit Babylon. Quand Israël est retourné de Babylon. Quand Israël est retourné à la terre. Romani, le même guerre, je t'ai. Ah, vous constatez que l'arche. L'arche. Achali enseigne. Cherche le verset. Il a fait de ça un enseignement. Sans pour autant regarder les écritures. Sans pour autant regarder les écritures. Amen. Lorsque Israël retourne. Quand Israël est retourné. On ne parlera pas de l'âge. On ne parlera plus de l'âge. C'est Jérémie qui avait prophétisé ça. C'est Jérémie qui avait prophétisé ça. Maintenant, quand Israël a retourné après notre départ, quand on a la position bien, oh. Maintenant, pas un âge physique. Physique. Or, dans la prophétie, lorsque Israël ça, c'est faux. Va retourner de l'exil pour prendre la position de la parole, on ne parlera pas de l'âge physique. On ne parlera pas de l'âge physique. Pour la bâtiment, il m'a quitté à Toro. Pour faire quoi? Il y a tabac, il y a bombe. Pour faire quoi? Il y a pigeon. On parlera de l'âge pour Nicolas faire. Pour mettre le son des taureaux. Des ce que les gens font là dans les informations, ce sont des aventures. Ce que les gens. Regarde la vie. Les informations, ce sont des aventures. Regarde l'écriture. L'écriture, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel. On ne parlera plus de l'âge. Amen. De l'alliance de l'Éternel. Mm. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Amen. Et l'on en fera moins une autre. Amen. On ne peut pas faire une autre. On ne peut pas faire une autre. Oh, bah, ça va m'instancer. Oh non, ils ont se fait les ustensiles pour construire là. Pour construire le temps. Des aventures. Retourner dans les cultes, ça c'est des aventures. Israël a Israël, la même parole que nous avons. Israël recevra, Israël va croire à la même prédication que nous croyons aujourd'hui. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Bah, vous expliquez que. Victime propitiatoire, c'est Christ et Jésus. Les dessins vont apporter à Israël l'interprétation des Écritures. Ils vont les enseigner que la victime expiatoire n'est autre que Christ et Jésus. D'ailleurs, Esprit à Élie, Jean-Baptiste, et qui a la côté à nuit à 4 heures. D'ailleurs,
Satan que avant de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui avait reçu l'esprit d'Élie, il n'avait jamais enseigné que l'agneau c'est la bête qui a quatre pattes. Non, il a interprété l'animal. Il a regardé Jésus. L'animal, l'agneau, c'était Jésus, un homme. Voici l'agneau. Donc l'interprétation est venue avec l'interprétation est venue avec l'esprit d'Élie qui a expliqué l'agneau comme Jésus. Maintenant, on a Apocalypse 11, maintenant là. Maintenant, quand tu ramènes ça dans l'Apocalypse 11, dans ce qui sera, tu ne peux pas parler de la bête, proprement dit. Non! Qui a copié ma livre aux Okutana? Arrête de faire des copies-coller des livres. Aux Okutana, des livres, tu fais des copies-coller. Lis les Écritures. Il faut lire les Écritures. La réponse est dans les Écritures. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, je pense bien que total ici, très bien que c'est dans Osée 6. Alors, nous pensons que nous avons bien montré que c'est dans Osée chapitre 6. De la guérison, Israël. Et le prophète parle de la guérison. C'est pour que Israël ait la vraie adoration. Et cette guérison, la vraie adoration. Et cette guérison explique pour que Israël puisse rentrer, revenir dans la vraie adoration. Et c'est ça Malachi 4, verset 2. C'est ça la promesse de Malachi chapitre 4, verset 2. Il y a un moment où ses ailes ont la guérison. C'est pourquoi vous constatez que les ailes viennent apporter la guérison. Et quand tu vois le soleil, quand vous voyez le soleil avec les deux ailes, c'est les trois prophètes. En réalité, le soleil avec les deux ailes forme les trois prophètes. Il y a mon étonnement dans Matthieu 17. C'est là où nous avons vu dans Matthieu chapitre 17. Jésus-Christ. Moïse et Élie. Jésus-Christ sur la montagne s'est transfiguré. À côté, il y avait Moïse et Élie. Je voulais encore ajouter une chose. Lorsque les deux hommes vont commencer leur ministère, l'enseignement que va vous prêcher, vous allez le soleil pour la lumière d'Israël. L'enseignement que les deux hommes vont apporter à Israël, ça sera les grands soleils. Donc, Europe, ça va vous lumière. C'est-à-dire que cet enseignement va les donner la lumière. C'est pourquoi nous voyons ici les deux ailes ont apporté le soleil. Ah, c'est de là que nous voyons que les deux ailes ont apporté le soleil en Israël. Autrement dit, ils ont apporté l'enseignement, le vrai enseignement. Donc, le même enseignement là, c'est toutes les personnes qui voient un Armageddon. Et c'est le même enseignement qui est le soleil. Dans la prophétie, c'est lui qui viendra dans la bataille d'Armageddon comme le soleil. C'est Jésus-Christ comme le soleil. C'est lui-même comme le soleil. C'est pourquoi nous parlons aussi des trois prophètes. C'est pourquoi nous parlons des trois prophètes. Pourquoi toujours insister? Pourquoi nous insistons? Parce que Israël attendait le prophète. Nous insistons parce que Israël avait la promesse de la venue du prophète. C'est ça la promesse d'Israël. La promesse d'Israël. C'est pourquoi on a posé à qui Jean-Baptiste est-il le prophète? Voilà pourquoi on avait posé la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a est-il le prophète? Jean-Baptiste avait refusé. Parce qu'Israël attendait le prophète. Parce qu'Israël attendait la venue du prophète. Les prophètes que Moïse annonça. Les prophètes qu'il est question qu'Israël attendait, c'était le prophète dont Moïse avait annoncé dans Deutéronome 18:15. Et que Philippe avait dit, c'est Nathanaël, c'est Christ. C'est le prophète là que Philippe avait dit à Nathanaël, nous avons vu le prophète dont t'as parlé Moïse. Et c'est pourquoi dans ce monde, en place, on a trois prophètes. Voilà pourquoi nous voyons en ce moment-là la présence des trois prophètes. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Maintenant, remarquez le verset deuxième. Remarquez au verset deuxième de Malachi 4. Bataille ici et la guérison sera sous ses ailes. Il est dit que la guérison. Vous sortirez sera sous et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Au moins une portion haute. Voyez. Vous sortirez. La portion là où il est dit vous sortirez. Et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Les veaux d'une étable, les autres, et si kaoyo, veaux aliaka. Lorsqu'on parle, on utilise le terme les veaux d'une étable. Étable, c'est par rapport au lieu là où le veau plutôt mange, là où il s'est nourri. Donc manger veut dire vaincre. Or manger a la signification de vaincre dans la Bible. Il y a un autre talango dans Nombre 22 verset 4. Voilà pourquoi nous voyons cette chose de manger dans Nombre chapitre 22 verset 4. Nous sommes déjà dans Souka pour 7 ans. Nous sommes déjà arrivés à la fin, n'est-ce pas, de notre émission. Aujourd'hui, c'est le dimanche le 16. Aujourd'hui, nous sommes
Le 16 février. Nous sommes dimanche 16 oui. février. 2020. Parce que la chaque. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a toujours la date. Ah, mais j'aime que chaque direct puisse avoir sa date. Dimanche 16 février 2020. Nombre 22, verset 4e. Nombre chapitre 22, le verset 4e. Il est écrit ce qui suit. Oui. Moab dit aux anciens de Mandia, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Voilà. Comme le bœuf brûle la verdure des champs. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Donc, quand multitude, ils ont fait qu'il va comparer un bœuf à Zolia na étable. Quand la multitude donne la victoire, quand la multitude apporte la victoire, on l'identifie à un bœuf qui brûle la verdure des champs. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est ce qu'on est en train de parler ici. C'est de là que nous comprenons le sens de Malachie 4, verset 2. Lorsque le soleil s'élève. Lorsque le soleil s'élève. C'est là venir le vous, le peuple ici. Quand il est parlé le vous là il est question du peuple. C'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Bakokoma victorieux. Donc, le vous, il est question ici, vous sauterez le vous là. Ça parle d'Israël, oui. N'est-ce pas, qui sera comme les veaux d'une étable, c'est-à-dire qu'ils auront la victoire. Et le soleil va se lever d'une armageddon. Parce que le soleil va faire son apparition. En réalité, c'est dans la bataille d'Armageddon. Dans la bataille d'Armageddon où l'Éternel apparaîtra comme le soleil. Parce que le temps des besoins est appelé dans la Bible l'aurore. Parce que vous devez savoir que avant l'apparition du soleil, Amen. Il y a un temps appelé l'aurore. C'est ce temps, ces besoins que le Seigneur présente dans la Bible comme l'aurore. Parce que l'aurore annonce l'arrivée. Parce que l'aurore, en réalité, c'est un temps qui annonce l'apparition du soleil. Dans la Bible, il y a des prophéties cycliques. Dans la Bible, il y a des prophéties, ce qu'on appelle des prophéties cycliques. C'est-à-dire voilà. Des prophéties qui s'est accomplie, qui s'accomplira encore. Donc c'est comme tomber de la nuit et Salema qui n'a chute d'Adam. C'est comme nous voyons, il y a eu tomber de la nuit du temps d'Adam. Donc tant qu'Adam a couru. Quand Adam est tombé. Donc le Seigneur est venu parcourir le soir. Le Seigneur est venu parcourir le jardin. C'était à ça le jugement. Il a fait le jugement. À celui-ci. Il a fini. À chasser l'homme. Il a chassé l'homme. Il chassa Adam la nuit tombée. Adam sortait du jardin lorsque l'Éternel le chassa. C'est quand la nuit tombait. Les ténèbres étaient en train de s'abattre sur la création. Pour prouver Job 10, 20 à 22 qui parle de la mort comme le lieu d'obscurité. Pour expliquer selon Job chapitre 10 le verset 22, oui. Que les ténèbres ou la nuit nous parlent de la mort. De la mort, voilà. Amen. Or, Romains 5, verset 14 dit que la mort a régné depuis Adam. Amen. Or, Romains chapitre voilà. 5, verset 14 dit que la mort a régné depuis Adam. Autrement dit, la nuit. Voilà, c'est la nuit, voilà. Comment dit la nuit? Maintenant, il y a mon Esaïe 21, dit que sentinelle, qu'est-ce qui dit? C'est en ce moment-là qu'on pose la question à Esaïe au chapitre 21. Sentinelle, sentinelle, qu'est-ce qui dit de la nuit? La sentinelle déclare le matin vient. La sentinelle répond le matin vient. La sentinelle, là, en réalité, c'est Jean-Baptiste. La sentinelle qui disait que le matin vient, en réalité, dans la prophétie, c'est Jean-Baptiste, le prophète, qui était dans la nuit. Oui, parce que Jean-Baptiste a aussi signé à Moïse. Jean-Baptiste était comme la répétition de Moïse. Parce que dans Exode 29, verset 4. Parce que dans Exode 29, verset 4, c'est Moïse qui a lavé Aaron. Nous voyons que Moïse a lavé Aaron, le souverain sacrificateur. Mais tant que tu es dans le fleuve Jourdain. Mais quand nous venons dans le Jourdain, au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était Moïse. Jean-Baptiste devient comme Moïse. Jésus qui venait était comme véritable. Jésus qui venait devant lui, il était comme Aaron. Maintenant, il fallait que Moïse lave Aaron. Comme Moïse a lavé Aaron,
Nous voyons que Jean-Baptiste devait laver Jésus comme Aaron. C'est pourquoi il troubla qui Jean et Moko. C'est ça qui avait troublé Jean. Il dit non, non, non. Il a dit non, non. C'est toi, Seigneur, qui dois me baptiser. Ah, il dit non, non, non. C'est toi, Seigneur, qui dois me baptiser. Non, vous baptisez. Moi, je ne veux pas te baptiser. Jésus lui dit, laissons accomplir ce qui est juste. Jésus répondit à Jean-Baptiste que laissons accomplir ce qui est juste. Nos frères de théologie, je les aime beaucoup. Frères les théologiens, en tout cas, je vous présente mon amour. Je vous aime beaucoup dans votre courage. C'est pour ça que vous avez de nous aider à traduire des livres, la Bible, de faire des commentaires, des textes, des géographiques, des concordances, des encyclopédies. C'est bon, je vous encourage, je vous aime beaucoup. Mais place où on a bâti là, comment on a voté ce qui est juste là. Mais vous, les théologiens, là où il est question, c'est que Jésus avait dit que c'est que Jésus avait dit que c'est accompli ce qui est juste. Maman a voté pour avoir sa référence. Vous n'avez pas vu ça pour mettre la référence dans la Bible, la référence de ce qui est juste. Ce qui est juste là, c'est Exode 29:4. Oh, cela c'était Exode 29:4. Donc dans Nama Yohana Moïse était Jean. Ah. Et Jésus-Christ était le véritable Aaron. Amen. Dans les journées que nous voyons, en réalité, Jean-Baptiste devient Moïse. Voilà. Et Jésus devient comme le véritable Aaron. C'est pourquoi Jésus-Christ devait... Voilà pourquoi Jésus-Christ... Toujours témoigner et Jean, les placer comme... Au-dessus, à Batounion, sur la montagne par là. Voilà la raison que Jésus devait témoigner Jean, le placer comme au-dessus de tous ceux qui sont nés de la femme. Bonne année. Bonne année. Les témoignages qu'il donnait, c'est le même témoignage en réalité, qu'on avait à Moïse. Les témoignages que Jésus donnait, en réalité, c'est les témoignages qu'on avait donné à Moïse. Donc, il n'a plus pari un prophète comme Moïse. Il n'est plus pari en Israël. Grand comme Moïse. Et les mêmes paroles, le Seigneur a remis en bon agent. Ce sont les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes paroles que le Seigneur a adressées pour témoigner Jean. Parce que Jean était la répétition de Moïse. C'était Moïse répété. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, nous avons un bon agent. C'est que Jean a dit comme tous les prophètes. J'ai parlé de cette manière-là pour vous montrer que Jean-Baptiste représenter l'ensemble de tous les prophètes. Donc, ma sentinelle, Nios. Donc, toutes les sentinelles, les qui étaient la tour. Qui étaient, n'est-ce pas, sur la tour. Bango Nios, la sentinelle appelée aussi Jean. Tous ces prophètes sont dans la sentinelle appelée Jean-Baptiste. C'est cette sentinelle qui dit le matin vient. C'est cette sentinelle qui rend témoignage de la venue du matin. Donc, matin, il annonce l'arrivée de Jésus. Il annonce qu'après moi, il y a quelqu'un qui vient. Le matin, dans le sens, il y a qu'on chassait ténèbres, quand on a dit depuis l'essence à Adam. De chasser les ténèbres qui était rentré après la chute d'Adam, la nuit d'Adam. Donc, vaincre la mort. Autrement dit, vaincre la mort. C'est pourquoi, comment on a dit dans Jean chapitre 1er, voilà pourquoi vous remarquez dans Jean chapitre 1er, l'Écriture déclare que Jean n'était pas la lumière. L'Écriture déclare que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais apparaître pour rendre témoignage à la lumière. Il est apparu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Donc, Jean est l'aurore. Donc, Jean, c'est l'aurore. Quand l'aurore arrive, annonce l'arrivée. Or, le temps de l'aurore, c'est l'aurore annonce l'apparition du jour. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et il y a un mot qu'on remarquait dans Jean chapitre 1er. Vous allez remarquer dans Jean chapitre 1er. Verset 6e. Verset 6e. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il veut pour servir des témoins. Pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il y a beaucoup remarqué, quand Jean Botami. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Jean Baptiste est né. Papa n'a eu Zacharie, tant qu'on dit Jean. Quand le père a vu Jean. Il chantait le soleil, les gens nous ont visités. Ah. Donc, la présence de Jean déjà confirme que le soleil va. Quand le père voit Jean. Il chante que le soleil est apparu. Cela veut dire que la présence de Jean, c'est dans Luc 1er, annonce déjà l'apparition du soleil.
Donc Jean était comme l'aurore. À ce moment-là, Jean-Baptiste, son temps est présenté comme le temps de l'aurore. Et Jésus est comme l'élevé du soleil. Et Jésus, c'est l'apparition, l'élevé du soleil. Mais Jean qui n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Pour apparaître pour rendre témoignage. Mais il est apparu pour rendre témoignage à la lumière. Verset 8. Verset 8. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière qui chasse les ténèbres appelées la mort. Lorsqu'il est dit qu'il n'était pas la lumière, faites attention. C'est dans le cadre qu'il n'était pas la lumière pour vaincre les ténèbres de la mort. Mais Jean était la lumière. Mais attention, comme prophète, il était la lumière. Pour montrer la lumière. Mais il était la lumière pour annoncer la lumière. Bon, parce que par ta lumière, nous voyons la lumière. Parce qu'il est écrit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Mais il n'était pas la lumière qui chasse les ténèbres côté qui depuis Adam. Il n'était pas la lumière qui avait la mission de chasser, de mettre fin aux ténèbres qui étaient rentrées par la chute d'Adam. Mais il était la lumière pour présenter l'agneau. Ah, il était la lumière pour présenter l'agneau, annoncer l'apparition du soleil. Que Dieu bénisse. Amen. Yango moni Jean 5, 35, il le dit. Voilà la raison de Jean chapitre 5, le verset 35. Il est dit. Nous lisons au nom du Saint Jésus-Christ. Lisons au nom du Seigneur de Dieu. Jean était une lampe qui brille. Mmh. Voilà. Et qui lui. Et vous avez voulu vous réjouir. Il est à sa lumière. Voilà. Jean avait la lumière. Jean avait la lumière. Donc l'aurore, l'aurore n'est ni jour, l'aurore ni devient nuit. Ni jour, ni nuit. Attends, attends, aurore, l'élo, aurore, nanati, aurore. Et ça va jour, ton nuit. Je peux aussi te poser la question. L'aurore, l'aurore de la nature qui apparaît, est-ce que c'est le jour ou c'est la nuit? L'aurore est ni jour. La réponse sera claire que l'aurore, c'est ni jour. Ni nuit. Mais à sa fin. Mais à sa fin. Le soleil s'élève. Le soleil s'élève. Donc la lumière apparaît. La lumière apparaît. De la même manière aussi. C'est dans cette optique. Quand Jésus-Christ est mort. Quand Jésus est mort. Ils ont couché au soleil. Quand le Seigneur est mort, cela annonce le coucher du soleil. Maintenant, nuit, vous vous faites bandit tant l'église Azali. Par son coucher, il y a une autre nuit qui commence par l'église. Yango. Apocalypse 2 à 3. Voilà les témoignages d'Apocalypse 2 et le chapitre 3. Il y a les étoiles. On parle, nous constatons la présence de 7 étoiles. Les étoiles président la nuit. Or, dans la création, les étoiles ont reçu la mission de présider la nuit. Les étoiles ne président pas au jour. Les étoiles ne président pas le jour. Depuis le début de l'église jusqu'à sa fin, c'est toujours étoile, 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 étoile. Donc, c'est le temps des nuits. Amen. Nous comprenons que. Partant du début de la marche de l'église jusqu'à la fin de la marche, c'est le temps de la nuit parce qu'il y a la présence des étoiles. Des étoiles, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Donc quand l'église est au Kende, quand l'église est enlevée, l'église est au Kende avant que l'aurore. Quand l'église est enlevée, c'est là, c'est avant l'apparition de l'aurore. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Remarquez la cantique de Cantique chapitre 2e, temps de départ. Remarquez dans Cantique de Cantique chapitre 2e, parce que je sens qu'il faut la paix au départ. Je sens qu'il faut la paix, c'est très important. Je sens que je dois vous donner ça, c'est très important. Cantique de Cantique chapitre 2e. Cantique chapitre 2e. Verset 16 à 17. Et verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits. Avant que les jours se rafraîchissent, c'est le temps de l'aurore. Et que les ombres fuient, reviennent. Là, la femme dit, tant ni ne s'égale, l'homme doit venir. Amen. Ici, nous voyons, ici, nous voyons comment est-ce que la femme nous donne le temps à lequel l'homme doit venir le chercher. Avant que le temps, le jour est rafraîchi. Ah, c'est ce temps, il est bien signifié, c'est avant que le jour se rafraîchisse. Avant que les ombres fuient. Autrement dit, avant que les ombres fuient. Reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle et au pharaon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Donc, c'est que le mari, Azoya, causant sa femme,
avant que le jour se rafraîchisse. Nous voyons par là que le mari viendra chercher sa femme, comme ici la Sulamite, on parle, c'est avant que les ombres de la nuit fuient. Donc c'est pourquoi qu'on remarquait que... C'est pourquoi vous allez remarquer... Lot habillement Sodome avant Aurore. Vous allez remarquer que comme signe prophétique que Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. Lot, il était un homme. Lot, il était un homme. Mais il jouait le rôle de la femme. En lui, il jouait le rôle de la femme. C'était toujours une femme. Parce que dans Lot, Moab est sorti. Parce que dans Lot, nous voyons, Lot a engendré Moab. Moab et Ammon. Mais toujours on est Moab. Mais nous prenons Moab. Dans Moab, Ruth Abimi. Alors dans Moab, Ruth est sorti. C'était une Moabite. Ah. Toujours Abraham, Isaac. Nous voyons Abraham. Postérité. Qui a engendré Isaac, la postérité de la promesse. Tomoni. Isaac a engendré Jacob. Jacob, les douze. Toujours Juda. Jacob a engendré les douze. Nous prenons Juda. Dans Juda, Tomoni Boaz. Dans Juda, nous voyons dans la généalogie, Boaz est sorti. Maintenant, des lots. Et dans Lot, nous voyons dans la généalogie, Ruth est sortie de Moab. Et d'Abraham, Tokei, Juda, nous prenons la lignée d'Abraham jusqu'à Juda, Boaz. Boaz a bali Ruth. Et Boaz a épousé Ruth. Abraham, Lot a sa femme. Quand tu ramènes Ruth et Boaz, tu le ramènes vers Abraham. En ce moment-là, Boaz devient comme Abraham. Oui, c'est ça. Et Ruth devient comme Lot, la femme. C'est ça la parole. C'est ça la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Yango komona okozwa ata verset moko te oyo Lot abundela Abraham. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi tu n'auras aucune écriture où il est dit Lot est allé combattre pour Abraham. Et ça, c'est verset. Parce que Lot a comme signe à une femme. Vous le savez pourquoi? Simplement parce que Lot est comme le signe de la femme. Et c'est ce que Pierre a entendu ça. C'est ce que Pierre a parlé. A zone de la Lot. Il parle comme de Lot comme le schiste. Amen. Qui était tourmenté dans ma deux abominations. Qui était tourmenté dans toutes les abominations qui se faisaient. Dans son domaine. Le Seigneur était avec Abraham. Quand le Seigneur était avec Abraham. À son tambola. Il y marchait. L'Éternel a envoyé ses deux anges. Le Seigneur a envoyé ses deux anges d'aller. Mais lui-même a expliqué ses deux anges. Mais lui-même, il a interprété ses deux anges. Alors dit que le péché, le cri a péché à Sodome et commis-tu vers moi au ciel. Il a dit que le cri du péché de Sodome et Gomorrhe est parvenu vers moi au ciel. Voici pourquoi je suis descendu. Voici pourquoi je suis descendu. Pour voir. Pour voir. Pour voir, ce sont les deux qui sont partis. Or, pour voir, ils étaient dans le sens que les deux anges sont partis dans ce domaine. Donc, c'est ça, voir. C'est ça, voir. Cela veut dire que ces deux anges sont deux yeux. Ah, cela veut dire que les deux anges qui étaient partis à ce domaine de Gomorrhe, deux ils yeux. Ils deviennent les deux yeux de l'éternel. Voir. Donc, Dieu a envoyé ces la deux situation. Yeux. Pour voir la situation de Sodome. Mais ses yeux étaient vous allez loger chez Lot. Ah, c'était ces deux yeux-là sont allés loger chez Lot. Que Dieu bénisse. Amen. C'est la parole et l'esprit. C'est ça. Ces deux yeux n'est autre que la parole et l'esprit. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Donc c'est que Lot a béni na Sodome. Lot est sorti dans Sodome. Avant l'aurore. Lot est sorti dans Sodome, si vous lisez très bien, c'est avant l'aurore. Quand il a marché pour arriver jusqu'à Tsoar, le soleil commença à s'élever. Il souligne que le soleil s'éleva. Ah, cela veut dire qu'il était sorti avant l'élevé. Avant l'élevé, c'est ça. Ok. Parce que c'est un signe de l'église. Ah, la sortie de Lot n'est autre que le signe de l'enlèvement de l'église. Et il fallait que sa femme attende là derrière. Il fallait que sa femme puisse regarder en arrière. Parce que la femme, c'est la chair. En réalité, la femme, c'est la chair. La femme, ça va comme le corps du mari. Dans les Écritures, la femme, c'est comme le corps du mari. Avant qu'on parte. Avant qu'on parte. Il faut que notre corps les en arrière. Amen. Avant qu'on parle. La mort de la femme de Lot explique qu'avant notre départ, notre corps, notre chair devait être détruit. C'était le signe de la femme. C'était le signe de la femme. Amen.
Tu comprends? Parce que notre temple doit être détruit. Notre temple, ce corps que nous portons doit être détruit. Afin que tout soit notre corps. Hein? Ah, afin que nous puissions être revêtis de notre corps. Voilà pourquoi la femme de Lot devait regarder derrière. Voilà comme signe prophétique que la femme de Lot devait regarder derrière. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est ça. C'est ça la Bible. Amen. Et quand il y avait comme terre salée, c'est la terre improductive. Amen. Quand nous voyons que le corps de la femme de Lot est devenu un statut de sel, ça veut simplement dire que elle est devenue comme une terre improductive. Quand tu prends le sel, tu le jettes au sol, essaie de s'aimer. Le sol ne va pas produire. Quand on confond le sel, l'alliance de Dieu. Il ne faut pas confondre avec le sel. Le sel comme alliance. Il n'avait pas dit partout là où tu vas dire sel. C'est l'alliance. Non. Oui, le sel, les oeufs sont moutata, les contraires. Le sel, ici, c'est dans le cas du jugement. Le cas du jugement, c'est dans le cas de la condamnation. C'est parce qu'il a regardé contrairement. Elle a été jugée. Cela explique notre départ. Comment est-ce que ce corps doit être condamné, doit être détruit. Après, Tokéi. C'est en ce moment-là que nous allons partir. Et quand on part, nous laissons encore par rapport au temps prophétique l'aurore. Quand nous partons, nous laissons encore par rapport au temps prophétique l'or. Et c'est ça Zacharie 14. Ni jour ni nuit. À son soir. Soir où on les a couchés du soleil d'été. Attention, le soir qu'il est question ici. Dans Zacharie 14. Vers le soir. Ce soir-là. Ce soir-là, ce n'est pas le soir du coucher du soleil. Non. Même si l'ange vient te visiter. Même si les gens viennent te visiter, il a un thème. Soir, Rwanda, c'est le lever du soleil. Le soir qu'il est question là-bas des Zacharie 14. Donc, c'est le soir du lever du soleil. On présente l'aurore comme ni jour ni nuit. Mais c'est un jour. Mais amen. À son soir. Donc, au soir du jour qui n'est ni jour ni nuit. Amen. La portion du jour, le jour unique qui est l'aurore, à son soir, autrement dit, vers sa fin. La lumière paraîtra. Vers la fin de ce jour unique-là qui est l'aurore, que la lumière apparaîtra. Donc c'est le lever du soleil. Autrement dit, ce soir-là devient comme le lever du soleil. Qu'aucun été, oh, la lumière parcourait l'église des Il ne faut pas ramasser ça pour dire que. C'était le temps où la lumière parcourait d'abord Éphèse. Après Moline et Kobi. Après, il y a eu les ténèbres dans l'église. Après, la lumière paraîtra. La lumière apparaîtra à l'Odyssée. Mensonge. Ça, c'est un mensonge. Amen. Cet enseignement, c'est le mensonge. Soir aux hommes dans Zacharie 14. Le soir que Zacharie 14 parle. Le soir là, lever du soleil. Ce soir là, veut dire le lever du soleil. Amen. Prends ça, c'est l'enseignement. C'est ça l'exactitude de l'enseignement. Il ne faut pas aller enseigner comme tu vois dans les petits livres. Zacharie 14. Zacharie 14. Verset 6 à 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Voilà. Il y aura du froid et de la glace. C'est le jour de l'Éternel. Ce sera un jour unique, voilà. Connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. C'est l'aurore alors. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, soir de ce jour-là. Donc, autrement dit, le soir de ce jour unique, ce jour connu de l'Éternel. Ouais. Ce soir-là, c'est la fin de l'aurore. La lumière s'arrêtera. C'est à la fin du temps de l'aurore que la lumière apparaît. C'est l'élevé maintenant du soleil. C'est ça, l'élevé du soleil.
Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je sais que tu es toujours dans le verset 2e. Nous sommes toujours par la grâce de Dieu. Verset 2e que nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Dans la prochaine émission, nous confirmons que Israël est blessé aujourd'hui. Confirmons que Israël est blessé aujourd'hui. Selon Osée 5, verset 14. Selon Osée 5, le verset 14-15. Mais guérison à Ezoïa dans Osée 6. Mais la guérison viendra dans Osée 6. On parle de 3 jours. On parle de 3 jours. Et ces 3 jours, c'est Moïse, Élie, c'est Jésus-Christ. Ces 3 jours ne sont pas des jours ordinaires. Ces 3 jours ne sont autres que Moïse, Élie et Jésus lui-même. Oui, il y a notre ami Jésus comme une mère. C'est là où nous avons dit que Jésus, il viendra comme une mère. Pour Israël. Pour Israël. Parce que tant qu'on combattre les rois de la lorsqu'il terre. Lorsqu'il viendra combattre les rois de la terre. On a pour effacer tout rameau. Pour effacer tout rameau. Ensuite, Israël a commandé que le libérateur est venu. En ce moment-là, que Israël va voir que le libérateur est venu. Et le Seigneur a recevé la Koyamba Bango. Et le Seigneur va les accueillir dans ses bras. Yahweh le dit dans Esaïe 49 pour nous clôturer pour aujourd'hui. C'est voilà pourquoi il a dit dans Esaïe 49 pour que je puisse clôturer. Verset 14 et 15. Pour aujourd'hui, Esaïe 49, verset 14 à 15. Parce qu'il y a eu un mot pour les gens à tout qui question, mon amour, nous allons répondre dans Michée 6, verset 4. Pourquoi Marie parmi les envoyés? J'ai pris ça parce que moi-même, j'avais posé la question par rapport à Michée, chapitre 6, verset 4. Pourquoi il est dit, il est souligné, Moïse, Aaron et Marie? Pourquoi la présence de Marie? Voilà, c'est ça. Il y a un total ici que Moïse et Aaron, basalai comme ombre, il y a deux joints. Voilà pourquoi nous avons montré que Moïse et Aaron étaient comme le signe prophétique de l'apparition de la venue des deux joints en Israël. Après, chapitre 11. Marie, Azala, qui signe à Jésus-Christ, Yemoko. Marie, en ce moment-là, elle devient comme le signe de l'apparition de Jésus lui-même qui viendra dans la bataille. Il y a peuple. Il viendra au milieu du peuple. Comme une femme. Il viendra comme une femme. Comme une mère. Il viendra comme une mère. Pourquoi? Pourquoi? Dans Esaïe 49, verset 14. Parce que les prophètes ont annoncé dans Esaïe 49, le verset 14 et 15. Tu peux l'identifier. Il est dit ce qu'il dit. Il est dit, il est écrit. Esaïe 49, verset 14 à 15. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oubliera-t-elle l'enfant qu'elle a enfanté? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je n'oublierai point. Voilà, le Seigneur est comme une femme. Ici, nous voyons que le prophète présente l'Éternel comme la femme. Comme une mère. Comme une mère. Quels que soient les problèmes. Quels que soient les problèmes. Il ne peut jamais abandonner. Il ne peut jamais abandonner. Amen. Parce qu'après les deux ans. Parce qu'après les deux ans. Israël va rentrer dans la fausse adoration. Israël va rentrer dans la fausse adoration. Mais même après dans la fausse adoration. Bien qu'Israël va rentrer dans la fausse adoration. Le Seigneur est une mère. L'Éternel est une mère. Il ne peut pas abandonner. Il ne peut pas abandonner l'enfant sans fils, des fruits de ses entrailles. Il va nous créer une solution. Il viendra toujours chercher. Il va chercher la solution des fruits de ses entrailles. C'est pourquoi classa comme Marie parmi voilà les envoyés. Voilà pourquoi dans la sortie d'Israël, il a classé Marie comme troisième. Parmi les enfants. Parce que ce qui a été. Parce que ce qui a été. Ce qui dans sera. La sortie, annoncer ce qui sera. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Il y a un moment dit Malachi a 3 voilà prophètes. Voilà pourquoi Malachi 4, en réalité, il y a 3 prophètes. Il y a Moïse, il y a Moïse et Christ et Jésus lui-même. Et Christ et Jésus lui-même. Et les 3 prophètes bazar répétés dans Osée 6. Et les 3 prophètes sont répétés d'une autre manière dans Osée 6. Comme 3 jours. Comme 3 jours. Pour la guérison. 3 jours pour la guérison d'Israël. Et total, il s'agit qu'Israël est blessé. Nous avons montré que dans la prophétie, en ce temps, Israël est comme blessé. La blessure. Et cette blessure. La maladie. Et la maladie. Et la déchirure. La déchirure. Et Zoya, quand on abandonne la loi, les commandements. Ah, nous avons vu dans les Écritures que la blessure, la maladie, la maladie viennent quand on abandonne les commandements de l'Éternel. Et Israël a rejeté les commandements de l'Éternel qui est Christ. La réalité du commandement de l'Éternel était Christ et Jésus. Israël a rejeté Christ comme commandement. Mais pour l'Église. Et pour l'Église. L'Église ne rejettera pas Christ. L'Église ne rejettera jamais Christ et Jésus.
Parce que l'église, c'est la femme en travail en Apocalypse 12. Parce que l'église, en réalité, dans la vision apocalyptique au chapitre 12e, c'est la femme qui est en travail. Le dragon n'a pas pu dévorer l'enfant. Le dragon n'a pas pu dévorer l'enfant. Cela veut dire que l'église ne tombera jamais. Cela veut dire que l'église ne sera jamais touchée par le diable. L'église ne tombera jamais. Du début à la fin. Du début de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. C'est pourquoi Jésus a dit que je ne vous laisserai point orphelin. Voilà la raison que Jésus dira que je ne vous laisserai point orphelin. Je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et vraiment que le Seigneur abonde la vie richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et tous allez pour rappeler nos numéros. Nous rappelons nos numéros téléphoniques. Pour la audio surtout. Surtout pour les audios. Plus 243-9-98-68-32-53. Plus 243-9-98-68-32-53. Et ceux qui aussi au lingui au Komela, au Azakom, au Jiré, Misaranes et Mission, Docteur Van, a copié sa numéro na ya. Ya WhatsApp. Voilà. Shalom bien-aimé, mon numéro WhatsApp c'est plus 242-04-052-8892. C'est mon numéro WhatsApp, plus 242-04-052-8892. Vous pouvez nous écrire si vous avez besoin des audios de toutes ces émissions ou autres. Nous pouvons toutefois vous donner ça gratuitement. Quel est le Seigneur de gloire? Web Ezali www.medakiala.com. Voilà notre site web, c'est bien et bien ça, www.medakiala.com. C'est le site web là où vous trouverez les enseignements, les vidéos, vous serez richement béni. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Okay. Alors, que le Seigneur de gloire vous bénisse, et chers spectateurs de l'émission, les temps de l'éclaircissement, c'était merveilleux avec le prophète qui a la sur Malachi chapitre 4. Nous sommes arrivés au verset 2e. Ne manquez pas la prochaine émission, soyez branchés. Nous vous exhortons dans l'amour du Seigneur de partager, n'est-ce pas, la vidéo. Partagez la vidéo partout dans les groupes Facebook, téléchargez, mettez dans les YouTube, envoyez, n'est-ce pas, à tous ceux qui en ont besoin, parce que nous avons plus de temps, on doit répandre, n'est-ce pas, la nourriture du Seigneur, on ne doit pas retenir les blés. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je termine pour dire un mot d'après ce verset. Ésaïe chapitre 49, verset 14 à 15. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'oublie. Une femme oubliera-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai pas. C'est pour te dire que toi qui as suivi cette émission, chasse-le que dans ta vie, l'Éternel est comme la femme. Il est la mère. Quelles que soient les difficultés, les problèmes que tu peux avoir, l'Éternel ne va jamais t'oublier. Parce que la femme n'oublierait pas la femme n'oubliera pas les fruits de son entrailles. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les fruits des entrailles de l'Éternel. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu sera avec toi. Que le Seigneur te console, qu'il t'apporte la paix, la joie, la guérison dans ta vie, dans toutes tes entreprises, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous vous disons au revoir, shalom à tous les bien-aimés qui nous ont suivis partout dans le monde entier, en Asie, en Europe, ici en Afrique, et aussi en Amérique, en Océanie. Que Dieu vous bénisse, restez fidèles parce que le Seigneur viendra bientôt. Au revoir et shalom. À nous revoir à la prochaine émission d'Étant d'Éclaircissement.